Oh, il est là, il est démuté. Oh, il est beau! Aïe aïe aïe, allô? Ça va quoi? Bah ça va mon bro, putain là je te raconte, je t'écoutais là, je te regardais raconter tes trucs là, Putain, c'est ton si fort. pseudo-terrade, oh je suis tout excité. Ah, mec, mais c'est une découverte totale. C'est genre Alors. vraiment, ça va être fabuleux. Moi, honnêtement, j'ai hâte parce que du coup, ça me donne. L'Asylan me donne une bonne raison de pouvoir tester StarCraft que j'aurais peut-être dû faire depuis longtemps. Donc ça me fait plaisir malgré tout. Peut-être. Alors je sais pas si on va jouer aujourd'hui, je pense qu'on va partir sur 15 heures de binding et ensuite peut-être. C'est ce que je Peut-être disais. on commencera à lancer une game, tu C'est vois. ce que je disais. Non, mais attends, mais putain, mais ce Sard, quoi. Quel C'est fou. trop drôle. Non Alors, mais c'est trop attendez. marrant, c'est trop marrant. Mais Moi je suis fan. je suis passé à des moments sur son stream. Je le voyais là en mode. Mais allez tous vous faire enculer ceux qui veulent me voir jouer. Moi, c'est les bides. J'étais en mode putain, mais quel génie. Le mec était Alors. en mode joue en gris, il a dit bah ouais bien sûr connard. Mais alors, et du coup, mais tu vas devoir tellement tout expliquer. Hein, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens. En fait, là, le truc, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont pas forcément joué à StarCraft. Dites-moi dans le chat d'ailleurs si vous avez déjà joué ou quoi. Moi, StarCraft 2, j'ai en fait. Alors pas, je vais pas aller jusqu'à assez souvent, mais de temps en temps, regardez. Typiquement des pompes études. Vous aussi, tu vois, au Gaming StarCraft 2, de temps en temps, je tombais, je capte pas grand-chose. Je voyais tout le monde mettre des baguettes sur le chat. Je suis en mode, ah, lourd, du coup, qu'est-ce qu'il Il va se passe un faire? truc quoi. Ouais, qu'est-ce qu'il va faire? Le Zerg, il a l'air de. Bon, ça a l'air de bien se passer. Il y a beaucoup de noms. Bah écoutez, vous allez pouvoir découvrir un peu avec moi. Apparemment, mon son est un peu bas. Est-ce que tu veux que je le monte ou Merde. tu le montes toi-même? Tu Je vais préfères te régler monter ça? ça, donc c'est juste que StarCraft hurle, c'est mort. Ok, C'est. ok. Ça, c'est. Le mien est mute, hein. Le mien est mute, c'est Ah ouais, non mais juste. là je suis mec, je peux te dire qu'il y a de la musique, hein. Il y a du Si son, il y a de tu veux le l'ambiance. mute, c'est CTRL S, CTRL M. Comme Pouah, mais ça direct ferme du sa bind, gueule. direct du Ah ouais, bind. direct, mec, tu Ça a vois. pas encore commencé qu'il y a déjà du bind, putain, c'est beau. Merci à Loupiac au passage pour le prime. Alors, moi j'ai fait juste donc le truc Terran juste pour qu'on puisse passer le tuto, tu vois. Genre qu'on Ouais, soit ouais, ouais. vraiment au truc d'après. Putain, je vois qu'ils ont fait un truc avec Twitch Prime quoi, le pack Abattu Révolution, c'est Mec, ça déconne plus, hein. Ah Ça déconne c'est plus. Non Non, mais mais c'est en gratuit, on fait du Twitch Prime, on commence à s'inspirer des trucs qui ont marché, hein. En Ça 2019, en est c'est où cool, StarCraft? Parce que c'est vrai que vous êtes. C'est genre Astérix, quoi. C'est genre. Vous êtes. hein. C'est genre les Gaulois, quoi. Parce que vous, en vrai, c'est ouf comment ça marche en France. Parce qu'en Europe et tout, StarCraft 2 marche plus trop, non? Si? En fait, en l'occurrence, ça a pas mal. Bah, tu sais, ça avait la bonne pente ascendante du dead game, quoi, tu vois. Ouais. Descendante, on va plutôt dire. Et en fait, il s'avère que 2018 a été une très très bonne année parce qu'il y a eu de belles histoires avec notamment un Finlandais qui a déboli la totalité des Coréens. Ouais. Plus Ah ouais, parce que c'est des ça, en fait, c'était bons. un peu chiant le côté de, il y avait que des Coréens qui gagnaient et ça avait saoulé les Occidentaux, C'est non? ça. C'est Ok. ça, bah en fait ça se renouvelait pas trop, il y avait beaucoup la même méta, il y avait toujours les mêmes joueurs qui gagnaient, et en fait il y a eu ce mec-là qui est arrivé sur une méta qui était plutôt cool, avec des trucs assez épiques, et C'est en vrai. fait le jeu a littéralement doublé ses vues, et maintenant on est dans des statistiques similaires à 2013-2014, Ah qui était ouais, l'âge ok. d'or de StarCraft à l'époque. Donc ça a l'air de rien par rapport à Fortnite et tout ça, ce qu'on fait maintenant, mais en fait StarCraft est quasiment au plus haut de son histoire dans l'état actuel des choses, tu vois, c'est ça Ah qui est c'est ouais marrant. parce que c'est juste que les jeux ont tellement évolué, il y a tellement de gens. En fait, c'est juste que j'imagine que c'est difficile pour StarCraft d'avoir des nouveaux joueurs quoi maintenant StarCraft 2. C'est Donc exactement ça, ouais. bon, on va voir ce soir, hein, je te dis, Eh, si au bout d'une peut-être. heure je casse l'écran, je te dirais qu'on ira sans trop d'entraînement. Mais non mais en vrai j'ai envie de savoir. Moi si tu veux pour un peu l'expérience RTS que j'ai. Moi je jouais à Age of Empire et je mettais les codes, comme ça j'avais la petite voiture et je tuais tout le monde. Voilà. T'inquiète, Donc. j'ai commencé StarCraft de la même manière, hein. Ah, parfait. Parce que je suis casu plus plus, hein, je pense. Hein, Non mais dans. mec, Ah si, j'ai une petite expérience Warcraft aussi. J'aimais bien là les arbres de la forêt là. Ouais, Dota, le mode Dota sur Warcraft, non, c'est pas ça que tu. Non, le truc classique. Le vrai Warcraft, ok. T'as les elfes de la nuit là, non? Ils faisaient des trucs. Et puis il y Il avait fait des beau nuit arbres là. aussi. Je me souviens de pas mal de trucs comme ça. Attends, je suis pas sur StarCraft dans le jeu. Oh là là, je vous envoie tous mes viewers dans la catégorie StarCraft. Bonne expérience. Ah ouais, non mais bonne expé. Alors du coup, qu'est-ce qui est bien de faire? Qu'est-ce qu'il faut savoir des trucs avant justement d'essayer des petites parties? Quel est le bon Alors, truc? en vrai, mec, c'est la première fois de ma vie que je fais un coaching de Oh first time, putain! tu Ah, c'est vois. archi excitant, Non, mais le putain! coaching de first time, tu vois, la première fois c'était avec ma meuf, mais autrement, ça n'a rien à voir, tu Ah vois. Non, putain! comment dire. Non, mais du coup, en fait, j'aurais bien envie de te dire simplement comment fonctionnent les races, mais est-ce que dans un sens, toi qui testes, c'est pas plus intéressant, quoi, tu vois. Ouais, je pense Toi peut-être, qui. parce que en fait, si je pense qu'il me faut assez vite dans la game, tu vois, genre pour que je vois Ouais. un peu ce qui se passe et attends, parce qu'il y a campagne. En campagne, non. T'inquiète, bah en fait ce qu'il faudrait faire c'est que tu m'amènes, on s'ajoute en ami sur le jeu. Mais on va tout à fait faire ça, mon pote, ajouter contact. C'est quoi ton blast sur le jeu? Eh ben je sais pas, attends, c'est C'est. Coca SC si tu tapes Coca Ouais, mais c'est SC. Battle Tag, je crois. C'est Mail et Ouais, Battle Tag. après tu mets un petit SC, hashtag 2000.
Non, 2880. Ouais. 2880. Alors on nous dit, Go en vient, il explique tout. Ok. Alors, les viewers m'ajoutez pas, hein, c'est bon, je leur dis ça tous les jours. Les viewers ils sont là, ils font moi je vais être copain avec toi. Non, c'est mort. Alors du coup, vas-y, je vais créer une petite perso. Ah putain, il y a les annonceurs Pompé, tu peux avoir la voix de Pompé et tout dans le jeu. Ouais mec. Ah c'est archi propre. Oh les boss. Tu peux complètement faire ça. Alors attends, il y a des trucs personnalisés. C'est quoi les trucs? Oh mais c'est quoi ça? Ah, il y a des modes genre? Ouais, il y a des modes, mais mec, c'est... Mais je vais vraiment être full casu, hein. Je vais poser des questions, ça va peut-être te sembler aberrant, quoi. Entraînement. T'inquiète, mec, c'est exactement... Ah, est-ce que c'est pas bien si je fais l'entraînement en phase 2, peut-être, pour tester? Si tu veux faire de l'entraînement, mais la phase 1 directement, tu vois. Parce que j'ai fait ça, je crois. C'est le truc où j'avais 30 d'APM, là. Ok, bah ça, je pourrais difficilement t'accompagner, parce que je peux pas regarder en même temps. Ok. Là, en l'occurrence, je suis en train de créer une petite map, et on va foutre... On va foutre du Terran, on va foutre du Zerg et du Protoss, en fait. Parce que peut-être ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 3 IA, tu vois. Ok. Mettre 3 IA qui vont jouer les unes contre les autres, et puis on va... Après, je pète des mecs en 1v1. Non, mais après, je vais t'expliquer ce qu'ils font, et puis tu verras, tu te diras, là, ça m'inspire pas, tu vois. Ça peut être un bon moyen de faire ça, non? Moi, ça me va tout à fait. Moi, j'ai vu, moi, ce que j'ai compris, c'est... t'envoies du WCS. Le WCS, il farm. Raffinerie, raffinerie. 3 mecs dans chaque raffinerie. Ils y vont, ils farm, caserne. Caserne, boum, des petits marines. Et nouvelle base, on fait la même chose. Et après, là, j'ai... VCS, ouais. VCS, ouais, voilà. Parce que les WCS, c'est comme NFL, tu vois. Ouais, c'est vrai que je vois ce que je dis après le coup, là. Tu t'es enflammé, mais c'est cool, c'est cool. Hop. Et là, est-ce que... Ah non, parce que là, c'est direct placement en ligue si tu joues contre... Il n'y a pas des games genre random si tu joues... sont débloqués après les 10 premières victoires du jour en non classé ou contre l'IA. Invitation. Il faut jouer... Mais en fait, le non classé et le classé sont mélangés. Donc c'est un peu débile parce que tu vois, tu joues de la même manière que... tu joues contre des types qui sont eux en classé. Et accessoirement, le problème, ce jeu est très très dur. Pourquoi? Parce que quand tu le lances, il te fait déglinguer, tu vois. Ok. Et c'est un peu... Ça fait partie des genres, des trucs à la Counter-Strike, à la Smash. Ah ouais, si le mec est meilleur, c'est zéro fun, quoi. C'est zéro fun, mec. Et en fait, le problème de jeu, bah, c'est que là, t'as 9 ans de retard. On va passer une bonne soirée, les gars, je pense, ce soir. Il y a plus beaucoup de gens, tu vois, qui lancent ce jeu. Donc du coup, tu tombes face à des mecs qui connaissent. Et même s'ils sont nuls, bah, ils vont t'éclater le crâne, tu vois. Vas-y. Donc du coup... Ah, mais je vais pas jouer, là. Non, attends, oh, faut pas que je merde. Ok, let's go. Donc non, pour l'instant, tu vas pas jouer, tu vas observer. Et on va faire ça juste 10 minutes. Non, demi, okay. Tu te calmes, ok? Ok, vas-y. Commence par regarder Zizou avant de tenter de faire une roulette. Tu vois ce que je veux dire? Oh, non, mais ça me parle, ça me parle. Ok, vas-y. 10 minutes, ça va. 10 minutes, je peux regarder pour comprendre un peu ce qui se passe. Ensuite, voilà, je veux cliquer partout, moi, je vais te montrer la PM, mon pote. Cale tes mains sous tes cuisses, chauffe-les bien, parce qu'après, va falloir dépasser le 31. Va falloir faire plus que 31 actions minutes. Et c'est combien? T'es à combien? Oh, ça part direct là. Alors, c'est qui? IA difficile. Les bleus, c'est... Alors, bleu, ça, c'est Zerg, ça. Exactement, voilà. Boum. Donc là, en fait, je t'ai mis ça en place juste pour que tu puisses regarder les 3 races, en fait. Donc, c'est ces 3 IA difficiles qui sont chacun pour soi. Mais c'est juste que tu puisses un petit peu visualiser à quoi ça ressemble dès le début et quelles sont les petites spécificités, tu vois, du... ça, c'est méga, ça. Moi, je suis Terran. Moi, j'ai l'impression que je suis Terran de ouf. Alors... Je suis Terran, et tu me parles quand tu dis ça, tu vois. Mais si tu comptes t'investir dans StarCraft, c'est pas la bonne race, tu vois. Après, frérot, je pense pas faire des compètes derrière, hein. Je te gâche pas, déjà. Si je passe les poules à la Zilan, c'est incroyable, mais je pense pas là me lancer à Donf, tu vois. En fait, j'ai envie de jouer un peu, essayer de prendre du plaisir, et voir ensuite ce que je peux en faire, tu vois. Mais c'est vrai que... Non, le monter diamant ou maître ou... C'est quoi, c'est grand maître dans les meilleurs trucs? Ouais, non, mais c'est même PGM, on appelle ça directement, hein, je pense. Alors, du coup, il fait une raffinerie. Alors ça, c'est les dépôts de ravitaillement, c'est pour avoir plus d'habitants. C'est les maisons, donc c'est pour... En fait, ta population, elle est bloquée. En haut à droite. Et il faut la débloquer avec cette donnée-là, exactement, en haut à droite. Tu peux aller jusqu'à maximum 200. Question, de temps en temps, parce que je lève la main, tu vois pas, mais je te poserai des questions. Vas-y. Pourquoi? Est-ce que si tu mets plusieurs petits VCS sur un bâtiment, il se construit plus vite? Non, ça marchait dans d'autres jeux, genre Age of Empires, mais pas dans StarCraft. Malheureusement, tu peux pas faire ça. Attends, dans faut que je baisse un peu le jeu. Attends 2 secondes, je vais juste baisser la musique parce que. Vas-y, mets-toi bien. Il y a un solo de guitare là qui est en train de. Attends, est-ce que c'est pas le meilleur solo de guitare de l'histoire du jeu vidéo? C'est pas mal, c'est vrai que c'est impressionnant, tu t'attends pas à ça, quoi. Au cas, ça arrive assez souvent qu'on arrête de caster juste pour écouter ça. Hein. C'est très important, c'est le moment où on fait les penuets et on chante, quoi. Bref, donc du coup, les maisons. Les supply dépôts, on appellera ça les supply, d'accord, on va rentrer dans les termes directs. Hein, ouais, dépôt de ravitaillement, donc les maisons, c'est les supply. T'es pas un casu, tu vois, c'est ah, un jeu vidéo un peu quand même. Bien sûr que ouais.
les supplies, y a deux ressources, le gaz et le minerai. Okay. Donc le minerai, c'est celle que tu vas le plus dépenser, c'est la ressource de base, et le gaz, c'est la ressource un petit peu plus rare qui va être un petit peu, qui va demander un petit peu plus de temps à être miné et qui va te permettre de débloquer des trucs un peu plus cool. Question, parce que j'ai vu du coup dans le tuto là, que le minerai du coup il s'épuise, la raffinerie c'est infini ou c'est de la même base? Ah, tu peux cliquer la petite raffinerie, tu vas voir, il y aura marqué restant 2200 quelque chose. Voilà. Ok, question validée, pas de souci. Voilà. J'aurais vu Domingo en proto. Ah, Sean qui a lâché son resub, sachez juste que Coca c'est le boss, bisous mon poulet. Oh là là, mais quel crack ce Sean. Oh, ah, c'est, mais c'est parce que Shones il est protos, donc il essaye, tu vois, il y a un peu cet aspect là. Zera est pas d'accord avec les musiques aussi hein, sur le chat, c'est. Aïe aïe aïe. Oh, mais ça a l'air stylé, Zerg quand même. Zerg c'est cool un peu aussi. Hein. Mais nous en fait on est humain, Terran. Bah Terran c'est humain, c'est ça, c'est mitraillette, petite musique country et on fait péter des aliens à l'autre bout du monde, c'est un peu cool quand même, tu vois. Ça c'est les joueurs de Palouf sur WoW ça, Zera il doit jouer Terran, 100%, c'est genre... Je crois qu'il jouait tout un peu Zera, genre... Oh la polyvalence, waouh, oh là là. Oh mais il a une... Vraiment mais... J'allais dire une plaquette, mais il peut tout faire, c'est beau. En fait, c'est ça le truc avec Zera, tu vois. C'est mais est-ce que du coup, c'est très différent, justement, c'est-à-dire c'est vraiment une manière de jouer totalement différente, genre si t'apprends le jeu StarCraft, si tu sais jouer Terran, c'est pas forcément jouer Zerg, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Je suis assez bon en Terran et je pue la merde dans les autres races, parce que ça n'a rien à voir. C'est exactement comme jouer mid et jouer support, tu vois, sur LoL, si on devait te faire une comparaison, quoi. Ok, d'accord. C'est vraiment deux façons de voir le jeu différentes. Si on résume simplement, par exemple, Terran, c'est ce qui va être le plus proche de ce que tu connais dans Age of Empires, c'est-à-dire des unités dans des bâtiments de production, il y a une petite ligne de production et ça va se suivre. Okay. Zerg, en fait, tu regarderas, il y a un bâtiment principal qui s'appelle la couveuse au milieu, et en fait, la couveuse, elle va générer des larves, et tu vas utiliser les larves pour produire, tu vois. T'as le chat à côté ou pas? Non, pas du tout, pourquoi? Parce que, c'est pas... T'as un écran ou deux, toi? Ouais, vas-y, je vais le mettre. Mets-le, je pense, c'est pas mal. Zera dit à Domingo et Nam, mi Terran, mi Protoss, par contre, mais sûrement pas Zerg, attention à ne pas se focaliser sur les humains. Non, mais c'est pas mal, comme ça, ils vont pouvoir te parler, comme ça, tu vas pouvoir voir des infos, ça va être fantastique. Mais, ok, donc là, ils ont fait quoi? Là, ça, c'est un centre technique. Ah ouais, toi t'es toujours sur les terrains, t'en bats les couilles, on speech sur les airs, vas-y, y'a pas de soucis mec. Bah je sais pas le dire. Non mais je crois que je suis Terran, ça y est. Du coup, si tu veux qu'on gagne du temps, je te présente que Terran. Vas-y, présente-moi Terran, moi, okay, ouais, dans 10 minutes je claque un bot là. Let's go. Bon alors du coup, comment on va faire, parce que là Terran, bon bah Terran c'est simple, ça va. Là c'est le mieux en plus, je crois, c'est ton truc, donc tu peux me coacher au mieux là. C'est ça, non mais en fait c'est vraiment, si tu veux faire comme ce que tu savais faire sur les RTS, bah en fait c'est vraiment comme sur Age of Empires, tu vois, ça fonctionne exactement pareil, il n'y a pas à réfléchir, tu fais des péons, tu fais des récolteurs, du coup pardon, excuse-moi, tu fais des maisons, des bâtiments de production, et derrière tu produis tes unités, quoi. Ça fonctionne vraiment pareil, il n'y a pas de spécificité. Ensuite, c'est simple ou pas? Enfin, en ouais. Vrai, c'est simple. Ouais, en vrai, je pense que c'est la meilleure race pour commencer, honnêtement. Ouais, et, voilà. Après, pour gagner en championnat, les tard, autres, ça a l'air d'être des oracles et tout. Là, les protos, ils font des trucs. Genre, il doit y avoir des trucs de prière ou je sais pas quoi. Là, transférer un Z. Oh, il doit y avoir des TP chez eux. Je crois que je vois. Ouais, c'est ça, en fait, ouais. Ça fonctionne au TP, c'est un peu démoniaque et tout. En fait, c'est banalisé comme la race des low skills, donc tu vois, est-ce que tu as envie d'être un low skill? Pas sûr. Non, là, je suis conquis, tout simplement. Non, mais en fait, mec, genre, jouer Terran, c'est comme jouer Lee Sin, tu vois, c'est le beau jeu, c'est considéré comme le beau jeu. Mais mec, là, tu ne fais que me conquis, là. Voilà, après, tu lanceras Smash et tu joueras Falcon, et puis on sera les meilleurs copains du monde, tu vois. Ah, ça, Smash, Xari va peut-être m'initier, mais c'est le jeu de la finale de la Zilan, donc il y a le temps encore. Si tu veux, on n'en est pas là, quoi. Tu vois, déjà, je vois les autres sur StarCraft. Je crois que. En fait, le truc, c'est que c'est ça, StarCraft, en vrai. Genre. En fait, il va falloir opti aussi le délire de. Si je joue un mec qui a déjà joué, c'est perdu. Tu peux le surprendre? Est-ce qu'il y a. Parce que c'est des trucs de BO, c'est un peu comme des échecs. Tu peux un peu le surprendre en faisant des trucs inattendus, non? Non, pas chez les Terran. Ouais, ça, je vais. En fait, chez tout le monde, mais je vais m'arranger pour t'apprendre des trucs qui. Oh, des strats un peu cheesy et tout. Moi, à chaque fois, j'écoutais, j'entendais, genre, tout le monde pompe et tout, là, je dis, oh, il cheese. C'est ça. Ça me hype, je capte pas trop, mais... Voilà, en fait, si t'as un cerveau, eh ben, il y a moyen que ça fonctionne, tu vois. On va le faire comme ça. Je vais t'apprendre tout simplement un mode d'emploi et tu vas le réciter, tu vois. Et si tu fais ça bien, en vrai, tu vas gagner. Et en vrai, tu peux même monter jusqu'à Master en faisant des trucs comme ça, tu vois. C'est assez facile. En soi, sur le principe, StarCraft, c'est simple. Ensuite, c'est... Ça me démange, hein. Ta première game me démange, hein. Non mais attends, mais en bref j'ai envie de tout arrêter et de te lancer, hein. on peut faire ça comme ça. Hein. Oh. Bon allez, vas-y, appuie sur F10S, on va faire ça vite. Hein. On va faire ça vite, Domi, tu arrêtes. Oh. F10,
Retour, F10, yes. Ah, moi j'étais arrivé et tout en mode on va lui expliquer des bails. S'en bat les couilles le petit père, mais c'est bien, c'est Non, non, mais important. je pense parce que j'ai du T'as mal à raison. me concentrer généralement dans les jeux. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe dans le jeu? Ah, C'est bon ça. quitter la partie en gestion. Ouais, c'est un peu de l'impulsion, tu vois. Bon, déjà, quitter la partie a été difficile. Là, par exemple, ils ont 48 d'APM, et là, c'est. Là, moi, je pense, c'est quoi le bon plan? C'est tu m'envoies en 1v1 contre un bot? Ouais, on va le faire comme ça. Hein. Ou C'est excitant, quand même. sinon Zera se connecte et on le met dans la game. Non, 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 bah Hein. non, il va me tuer. Bah oui, il va te buter et ce Bah sera ouais, pas non, c'est drôle. pas. Bah non. Après, il peut s'amuser, mais bon, je te dirai ce qui se passe, quoi. Vas-y, donc du coup, Steran, est-ce que tu veux rester bleu? C'est important de choisir sa couleur. Je te vois sur ton écran, tu choisis ta couleur. Ah, j'aime bien bleu, moi. Ok. L'handicap à côté, si tu te poses la question, c'est simplement c'est une réduction en pourcentage des points de vie de toutes tes unités et tous Ah, tes si trucs, donc. jamais justement tu joues contre Peut-être des à la noobs. Zenland, je m'amuserais à faire ça, tu vois. Peut-être. Mais d'abord, faut passer les poules et Ah, ça, mais c'est chaud, tu vois. ah, c'est chaud, ça va toi? T'en es où du train et tout? Eh, Ah, c'est mec. propre, comment ça s'appelle, Disjam. Trop content! En vrai, cool, mais j'ai jamais joué. Alors que le Rocket League, j'avais mon petit level, du coup, je suis un peu deg. Mais Ah, frérot, il va Disjam, tu falloir vas prendre bosser. du bouclier, tu vas prendre de l'intervention au filet amorti, boum, ça renvoie du perfect! Oh là là, j'ai hâte ça! Oh, je suis trop content qu'il y ait ce Je jeu. veux faire une soirée trading, je suis chaud, tu vois, parce que t'as l'air de dire Bah que ouais, t'es non, non, là-dessus. mais Moi, mec, en vrai, le jeu est je trop connais pas. marrant. Le jeu est vraiment, c'est un jeu drôle, tu sais, donc c'est cool, même à train, Et tu etc. step up vite ou genre tu mets du temps avant de Bon, réussir à faire après, des j'ai moves? pas non plus, j'ai joué des 5-10 heures, quoi, tu vois, donc c'est vrai que là, je t'ai vendu le truc. Ah, c'est moi Ah, là? Ok, d'accord. c'est moi. Bah oui, ah là c'est toi. Donc du coup, moi je suis dans ta cam. Alors attends, là où tu vas, XFCV, détends-toi, détends-toi. Donc là, au début, la première chose que tu vas faire dans toutes les parties Raffinerie! StarCraft, non! Bâtiment! Lancer un récolteur. C'est lancer un récolteur, tu vois. Tu vas prendre ton command center au milieu de ton écran. Tu vas appuyer sur S, parce que t'as pas rebind. Donc c'est S, tu vois, pour SCV. Ah, tu. Ok. Et en fait, une des. Oh, t'as l'air si déçu! Non, non, non! Non, non, ça va! Oh sérieux, elle est où ma raffinerie quoi? Ah voilà, tu m'as mis un deuxième SCV, putain, j'ai même pas besoin de demander. Bah Là, ouais, là je pense on peut être jusqu'à 15. Je vais déjà partir peut-être pour un dépôt de ravitaillement parce qu'on va avoir envie de faire plus. ah bah attends, mais t'as regardé combien de temps de StarCraft toi? Tu connais toutes les BO Hop, des je peux. compétitions, non? Bah non, mais. Il me fait un vrai BO! Mais il me fait Bah, un vrai si tu veux, ouais, BO! là, Mais mec! après, j'ai peur Attends. d'expand après. Non, vas-y, hey, en vrai, laisse couler le flow parce que pour l'instant, ce que tu fais, c'est très bien. Mis à part le fait que t'as mis 15 secondes à commencer la partie, c'est très très bien. Oh, bah, ce que j'avais, c'était pas très annoncé, tu vois, je trouve. Ok, là, Vas-y. on est bien. Du coup, là, moi, je ferais. Caserne, non, j'en suis pas là. Bah Deuxième ouais. raffinerie. Non, une Non, caserne, erreur. Bah c'était du coup, ça, je mets mec. des ouvriers dans la Ouais, première. et tu fais une petite caserne, c'est exactement Et ça. petite caserne, très bien. Et je... Raccourci, bébé. Tu fais un B puis un B. Bébé? Oh, Ouais. c'est bon. Ah ouais, ah mais faut connaître par cœur les raccourcis. Parce qu'en fait, c'est un jeu de macro de ouf, non? Enfin, oui, je dis... Non, mais je dis ça comme si, genre, je connais pas, c'est pas... Si, si, c'est un jeu de macro de ouf, quoi. C'est un jeu de macro, ouais. Mais toi, on va pas t'apprendre à macro. Alors là, par contre, voilà, tu vas me mettre un troisième récolteur assez vite dans le gaz, sinon je vais Tu vois, commencer non mais à j'ai vu que le convulse. troisième il était pas très bien là. Va se Ça va, passer tu un vois truc. l'autre là, il prend la. Tu l'as pas mis en difficile hein. Non, mais je l'ai pas dans mon écran, je suis vraiment dans ta cam là, Ah je ouais, vois pas ok, ce qui se d'accord, passe on là. sait pas ce qui se passe de l'autre côté quoi. Mais il est en très facile et probablement qu'il se passe pas grand chose. Déjà, dis-toi que t'as 5 récolteurs de plus. Voilà. Ah, tu le vois ça? Ouais, j'ai les infos. Ah, toi, oui, ok, pas moi. Ouais, Donc là, caserne. toi, si tu veux savoir le nombre de récolteurs que t'as, tu mets la souris en haut à droite de ton écran sur le supply. Ok, d'accord. Et tu Bah, verras, il y a là, je peux marqué. pas faire beaucoup mieux, là. J'étais obligé d'attendre, là, dans cette Non, non, phase. non, non, là, mec, c'est très très bien ce que tu fais. Ok. Donc là, en fait, tu vas terminer ta Rax et tu vas balancer un petit marine, par exemple, tu vois. Tu vas lancer un petit marine. Je suis déjà. Et c'est très bien ce supply. Et alors, là, Ah, il tu y a connais trop pas. d'ouvriers! Je vais chercher une nouvelle mine. Elle est plus proche en haut à droite. Elle est plus proche en haut à droite. Ok. Il faut que tu prennes un J'ai SCV les pour faire réflexes plus. là, hein. Je me sens Mais, chaud. Je en vrai. pense faire la diff. Je pense faire la diff durant la ZLAN. Je m'excite Je un crée peu une là, nouvelle mais. base. C'est un sort. Xari, il a déjà joué à StarCraft? Je sais pas, peut-être. Parce Si, que à l'époque, avec les. là, 100%, tu vas le carry. Hein. C'est ce qui va se passer. Hein. Genre, c'est assez incroyable ce qui se passe. Donc, du coup, alors, Relou d'être fort à tous les jeux, putain. petite. Une énorme merde! Alors. Petite spécificité des Terran, c'est que ton command center il peut se transformer après la Rax. Donc tu peux le faire, tu vas cliquer ton command center et tu vas voir en bas à droite, t'as une petite amélioration. Oh là, t'as un panel simple. Ok, alors attends, on va aller dans les. Fais un petit F10, mon bro. Options, et dans le jeu, il y a un truc. Ah, Où est-ce que tu me c'est? niques la game là, tu me niques la game là. Ouais, je casse un peu type, mais en fait, tu vas découvrir qu'il y a beaucoup de boutons en bas à droite. Faut juste que je me rappelle où c'est. Retrouver. Ah voilà, il y a un truc qui s'appelle panneau de commande simplifié. Ah oui, tu relances la game, t'en bats les couilles.
Ah, parce que ça m'épose. Ouais, ça m'épose. Ah, ok, je vois ça. Pourquoi? Panneau. Donc, dans Options, Jeu, panneau de commande simplifié, tu vas le décocher. Ok. Ah, c'est le truc sur se déplacer et tout là? Ouais, c'est ça. Et en fait, Ok. tu vas avoir plus d'infos en bas à droite de ton écran, c'est un peu mieux. Ok. Et t'as appuyé sur OK ou pas? Parce que là, j'ai l'impression que tu l'as Oh encore. Ah merde. non, c'est bon. Non, C'est c'est bon, bon? il est redevenu Mais normal. Ouais. c'est bien de. Mais là, du coup, il faut que j'envoie deux mecs dans la nouvelle là. C'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Donc, du Ah, coup, parce qu'ils vas-y. étaient 18 sur 16. Alors, c'est bien de saturer, mais en fait, si on. Admettons, là, t'as des unités adverses qui arrivent, t'es pas vraiment en place pour défendre, tu vois. Tandis que si t'as touché, toi, c'est un peu plus simple. Donc, là, Ah, c'est surtout que juste c'est pas des. fini la raffinerie. Ah ouais, enfin pas la raffinerie là. Le command center, ouais, le La centre de B. commandement. C'est ça. Donc, du Lille. coup, t'as pas besoin d'y aller trop vite, entre guillemets, parce que tu vas pas réellement augmenter tes récoltes dessus pour l'instant. Ok, d'accord. Donc du coup, vas-y, attends, je finis mon Vas-y, explication. pardon, Juste pardon. Ouais. sur le centre de commandement, tu peux faire un truc qui s'appelle l'orbital station, la station orbitale, voilà, Ouais, pardon. j'ai Et cliqué. bah, très bien. Et en fait, ça va t'augmenter tes récoltes tout simplement, parce que ça transforme ton bâtiment pour qu'il ait une petite barre d'énergie qui va te permettre d'envoyer soit des mules, qui vont plus récolter de minerais, soit des scans. Et ça, c'est cool, les scans, parce que c'est pour voir dans la base adverse. Donc on va utiliser un scan là au début, tu vois, pour un petit Ok. peu regarder ce qui se passe chez le Je clique un Zorberg. peu partout pour faire monter les APM là. T'as bien raison. C'est... Là, c'est ce que je fais. F1, F1, il y avait des mecs, y a des mecs qui faisaient rien. Je refais une raffinerie ou pas? Non, pas besoin. Pas Ok. besoin pour l'instant. Donc vas-y, regarde. Appuie sur ton command center. Appuie sur C. Sur le premier, Et. sur le basique, ouais. Ouais, le basique. Appuie sur C. Et Ouais. tu vas pouvoir scanner tout en haut à gauche de la map. Regarde, dans une certaine symétrie, en fait, tu auras la base adverse sur la carte. Tu peux faire des clics sur la map d'ailleurs si Ouais, c'est vrai tu. que c'est... Voilà. Oh, Et là, par c'est là. un zerg! Voilà, Il a l'air exactement. chaud, quand même. Ah, il est un peu vénère. Non, je rigole, il y a Et rien. si je l'attaque, là? Bah, tu te fais poutrer là, je pense. Je pense que là, Ah, les c'est. marines, ils sont nuls en solo? Ouais, ils sont. Et surtout, ils sont pas assez nombreux. Alors là, j'ai les chiffres. T'as deux marines et il a Merde, plus j'ai de fait le BT que tab. toi. Hein. Il a plus Donc. d'unités? Mais Ah, qu'est-ce bah qu'on fait, ouais. du coup, là? On... Ah, Tu vois, parce là, que. plus de... j'envoie plus de marines? De marines et. J'envoie Tu un faucheur. peux même envoyer plus de baraques. Tu vois, tu peux même en faire deux. Donc en fait, Non, mais là, mec... il y a une dynamique qu'il faut que tu comprennes. C'est que le but dans StarCraft, c'est de jamais avoir trop d'unités, trop de ressources en stock. Tu vois. Ah ouais, faut toujours en opti, quoi. Faut toujours les Ok. utiliser. Donc du coup, comment on utilise ces ressources? Soit on produit des unités. Soit on produit des bâtiments. Le truc, c'est que quand tous tes bâtiments ils sont déjà en train de produire et que tu continues d'accumuler des ressources, bah tu mets plus de bâtiments tout simplement, tu vois, C'est pour quoi le centre pouvoir. technique? C'est un truc pour faire des améliorations. C'est bien? Ouais, c'est pas mal. Et le bunker? Pas utile. Pas Ok. tout de suite. C'était bien, des bonnes infos là. Ah Voilà, ouais, là c'était propre là. c'était. Raffinerie, toujours pas? Non. Ok. T'écoutes pas ce que je te dis là. Vas-y, résume ce que je t'ai fait là sur mon explication de l'utilisation des ressources. Bah toujours au max, mais c'est pour ça que j'essaye de dépenser du coup. Il y a full marine, du coup j'ai cramé des Durant. casernes et tout. Mais plus de casernes, t'as du 3000 de minerais là, qu'est-ce que tu manges? Ah mais c'est... Oh, c'est genre à l'infini de casernes du coup? Bah en fait, théoriquement sur deux bases, si t'es opti, tu peux en avoir 5 Ah je des fais pas casernes. bébé déjà, bébé, boum. Ok. Ah ils sont tous au même endroit, ça y est. Je suis pas très fort pour anti... Oh non. Y a un mec dans le chat, il a mis on se croirait à l'école et c'est exactement ça, mec. J'avais donné des cours de maths à une primaire une fois, je me rappelle, ça ressemblait à ça quoi. Qu'est-ce que je viens de te dire là? Tu m'écoutes? Pas du tout. Ok, donc du coup, vas-y, comme tu kiffes les raffineries, ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire une usine. Donc, une usine, ça va être un bâtiment, ce qu'on appelle tier 2. Donc, en fait, en bas à droite, tu vois, tu as un panel pour faire les bâtiments en B, tu vois, les premiers bâtiments. Et puis, tu as un Ouais. autre bouton à côté pour faire les bâtiments un petit peu En plus V. améliorés. En V, exactement. Donc là, c'est VF. V Factory, exactement, putain. C'est posé ma gueule. C'est pas mauvais, hein. Là c'est bon, ça charbonne maintenant, là c'est quelque chose d'autre là. Est-ce que tu veux que je te donne ta moyenne d'APM? Non non pas encore, pas encore. Elle est pas mal, Laisse-moi. elle est pas mal, elle est pas mal. Mais faut cliquer, c'est du mensonge tout ça. Mec, t'as 36 de moyenne. Ah, c'est Putain. plus que 31, tu vois, game 2, t'es Je déjà meilleur que progresse. gamin. Ils Et font. Et même. tu peux pas cliquer sur toutes tes casernes en même temps pour faire t'sais, des trucs. Alors, tu peux les double-clic. Regarde, double-clic. Donc, tu les sélectionnes toutes. Et en fait, tu vas appuyer sur contrôle 1 après, par exemple. De l'aide, ça Donc. serait. Oh non! C'est des renards qui l'ont tué. Mais non, c'est des. Ouais, moi c'est des Zerglings, mais ouais, c'est des J'ai pas renards. eu le temps, j'ai pas eu le temps de voir, mais. Bah, ça veut dire qu'il y a des unités qui arrivent chez toi, donc fais attention, quoi. Putain, il faut que je défende les deux bases en même temps. Ah, mais là, je Ouais. commence à avoir des gars, là. Moi, je vais leur envoyer. Alors, juste Mon fais ton unité se groupe de déplace, mon contrôle. unité se Fais ton déplace. groupe de contrôle, ok? Voilà, donc C'est quoi ça? double-clique tes racks, et ensuite fais contrôle 1. C'est bien de les réacteurs? T'as fait ton contrôle 1? Contrôle On 1. s'en bat les couilles, là. Oh, pardon, pardon.
Oh, je les fume. Allez, vas-y, on y va en poche. Allez, vas-y, bah. Contrôle 1, c'est quoi? Contrôle 1, c'est quoi? Donc en fait, contrôle 1, ça va te permettre de faire un groupe de contrôle. Et regarde juste au-dessus, à droite de ta map, là. Voilà, bah là, t'as mis tes marines en chase, contrôle. Chase. Maintenant, dès que tu vas appuyer sur 1, tu vas avoir ce truc-là dans ta sélection. Ouh. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir ces bâtiments de production en groupe de contrôle. Ok. Il y a beaucoup de trucs à gérer là quand même. Et il est insupportable, il écoute R. Non, mais... Si, mais attends mec, j'ai l'impression quand même de donner au jeu là, tu vois ce que je veux dire. Il y a de l'attaque, il y a déjà du marine, les marines vont direct aller me... Hop là, je suis en... Hop là, la B3 là. Il est en train de péter du renard quoi, là t'es... Vas-y, let's go, ok. Regarde, oh, il y a du kite et tout gros. Pendant ce temps, je vois qu'il y a un mec qui fait rien, boum. Qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait directement un dépôt de ravitaillement. Là, oh là là. Non mais en vrai mec, tu fais des trucs bien. T'as appuyé sur quoi? T'as appuyé sur F1 pour aller chercher ton... Ouais, F1. Putain mais mec c'est clean. Hop, ça revient, boum. Mais il y a du kite. Attends, mais les APM là. Oh là, c'est bon, t'as 47 de moyenne. Oh là là. Oh, je sais pas si t'as besoin de moi mec, hein, en vrai, un peu. Putain, mais là c'est... Ah, mais c'est ouf, quoi le gros truc? C'est un truc qui vole qui sert pas à grand chose. Mais Tom, prends ta... Ah, ça c'est... En fait, ça c'est leur VCS ça. C'est leurs ouvriers, ouais. Et le mec est tellement au chien qu'il les a envoyés à l'attaque, tu vois. Ah, et comment je fais pour... Comment je fais pour... T'as un bâtiment Zer qui meurt et ça fait des vieilles vermines qui t'attaquent aussi. Oh, faut ah le ouais défoncer. Y'a pas Tiroto? Comment on fait pour... C'est A clic. A plus clic gauche. Oh, ça c'est propre ça. C'est comme le Q-click sur la loi. Ah ouais, ça c'est pas mal. Et du coup, ils font rien là pendant ce temps. Donc d'où l'intérêt, mon bro, de faire des groupes de contrôle. Ah putain, les groupes de contrôle. C'est C1, mais ça, j'avoue que j'ai pas... J'ai écouté, mais... Est-ce qu'on recommence, du coup? Je crois. On explique. Je crois, ouais. Je crois qu'on va réécouter, ouais. Donc du coup, les groupes de contrôle, le principe, c'est de gagner du temps sur les... sur tes actions, en fait, tout simplement. Parce que si t'as toutes tes racks qui sont dans... à un bouton, si t'as juste sur un et que t'as toutes tes racks, c'est plus rapide que d'aller à la maison, les sélectionner et produire, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, la manœuvre pour faire ça, c'est sélectionner toutes tes racks. Donc va dans ta B1 là, dans ta première base. Ouais. Double clic gauche sur une des baraques. Attends, je me fais attaquer. Bah recule, comme ça je t'explique. Attends, j'y retourne quand même. Lui il a l'air d'être... C'est un boss ça? Ouais, c'est un bot, ouais. Non, un boss. Enfin, tu sais, c'est une unité... Non, mais je peux le fumer, lui il a l'air de TP des unités, lui là. Voilà, boum. Et elle passe pas, et lui par contre on le sache, lui. Hop, oh, putain, je sais pas la quantité de knowledge que je vais réussir à t'insuffler. Non, mais y'en a pas mal. Attends, je recule avec cette unité. Je pense que là j'en ai trop fait. J'en ai trop fait, du coup, je reclique sur ce que tu m'as dit. Non, déjà je fais caserne et je renvoie du militarios là. Voilà, donc double clic Terax. En fait, je vois que tu le fais pas d'ici. Hein, double clic Terax. Si, je suis station orbitale là. Oui, mais ça c'est pas une baraque, une station orbitale. Donc double clic moi ces baraques là. Moi j'ai un petit cercle vert sur mon écran quand c'est le cas, donc je sais que... C'est quoi les baraques? C'était caserne, pardon, excuse-moi. Ah ok. Voilà, non, là ça c'est ma bad. Donc, pas de soucis, juste t'es pas au niveau du coaching, tu nous le dis quoi. Pardon. Ok, donc là t'as bien les 5, tu vois. Ok. Fais-moi un petit contrôle 1 par exemple. Attends, je lui m'attaque? Non, t'inquiète. Ah. Et tu les as désectionnés, je vais te massacrer, putain. Bah ouais, mais y'a un truc dans ma base, gros, j'ai jamais joué au jeu, le truc. Mec, y'a un truc, c'est un titan, je sais pas ce qui se passe dans ma base, et tu me dis, y'a aucun souci, moi, ça me... Je comprends que ça me tend, double clic, du coup, là, j'ai tout sélectionné. Voilà, donc là, maintenant, tu fais contrôle 1. Ouais. Voilà, donc du coup, maintenant, regarde, par exemple, clique ton command center à droite aussi, là, ton centre de commandement. Mm. Et fais un contrôle 2. Mm. Et maintenant, regarde, fais 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et tu vas voir, tu vas passer de l'un, puis à l'autre, de l'un, puis à l'autre. Donc en fait là tu vois maintenant appuie sur A pour lancer des marines une fois que t'as appuyé sur 1. Et regarde, t'as toutes tes racks, tes baraques, tes casernes qui d'un coup se mettent à produire. Ça produit un max, pendant ce temps ça fight en plus. Donc là maintenant on va sur la fight, très bien, appuie sur 1 par exemple, une seule fois. Ça. Et là appuie sur A. Si, regarde en bas de ton écran. Ah, et tu peux continuer à produire pendant ce temps du coup. Putain il l'a. Ah, c'est à dire que là tu pushes chez eux et là j'appuie sur 1 et j'envoie du 1 en même temps, y'a du marine. Attends, je vais même faire mieux, parce que comment on fait pour revenir vite? Parce que je vais les envoyer. Alors, si tu veux faire vite. Tu vois, lui, j'arrive pas à le sélectionner, lui. F2. Non, mais alors, lui, c'est pas un vrai marine, c'est un changelin. Tu peux lui faire un petit Q-clic sur la gueule, tu vas voir, il va mourir. Et c'est pas un vrai pote. Pas l'impression que ça marche. Un A-clic, quoi. A-clic sur la tronche. T'as vu, c'était un Zerg. T'as menti. Ah ouais, ok, d'accord. Ah, et t'as menti. Ok, on y retourne. Pendant ce temps, un A, ok. Let's go. Bon là, c'est cadeau là. Oh là là, ça c'est trop fort ça. Voilà, et sauf qu'ils sont tous là, les frérots. Y'a le gang qui s'est ramené là. Attends, le Gucci gang.
Allez, ah ouais. Let's go. Donc là, c'est quoi, c'est les faucheurs ceux qui vont vite? Ouais, c'est les faucheurs. Bienvenue, bienvenue, merci Louis, tout à l'heure j'avais pas vu le sub, bienvenue Akia aussi. Eh mais non, je t'assure que c'est trop utile hein, ce que tu me dis, juste mais bah, ils ont refait un truc, putain les cons là. Ouais, il va continuer hein. Donc là faut que tu le bourres. Est-ce que tu veux que je t'apprenne un truc BM ou pas? Bah de ouf. Bah alors vas-y, attaque dans la B1, voilà, appuie sur 2. Appuie sur E et fais un clic gauche. Où? Là, au milieu de ton écran. Aucun emplacement trouvé. Non, dans ton champ de vision. Ok. Voilà. Et ça, c'est ultra BM, ça veut dire sort de ma game, tu vois, tout simplement. Parce qu'en fait, c'est une unité de récolte, de minerai, que tu vas envoyer sur la tronche de ton adversaire. Et en fait, ça s'appelle Illa Manorbule. C'est comme faire un slash dance sur LoL. Enfin, tu okay. vois, c'est. Ah, mais là, on a, on a subi des pertes. Hein. T'as perdu ton armée pendant ce temps-là. Mais ta Manorbule, un mec d'état game. Qu'est-ce qu'il fait là? Putain, y'a une colonie qui met. Je vais aller à la source de cette colonie, moi. Ah mais mec, t'es bon pour écrire des scénars Netflix, hein. Genre en vrai, c'est épique ce que tu fais là. Ah bah là, c'est... Oh, il y a les renforts derrière. Ah, je sens que j'optimale, je me sens mal dans mon opti. Oh non, mais là, Mais en gros, là, non, mais là, c'est nul d'attaquer comme ça. C'est bien. Ça, c'est comme un joueur jouerait. Enfin... Bah, non, mais parce que dès le début... Et c'est quoi les bâtiments à focus en premier, si t'es chez eux? En vrai, ce que tu veux tuer, c'est les récolteurs. Pour tuer les récolteurs. Ok. Parce que en fait, si le mec peut plus récolter, il peut plus produire. Donc s'il peut plus produire, t'as gagné. Tu vois, c'est un peu cet aspect-là. Okay. Donc et c'est ce qu'on appelle le haras. T'as dû l'entendre beaucoup dans les commentaires. Ouais, c'est en fait tu viens, tu fumes tous ces récolteurs et tu te barres quoi. Exactement. Et là, bah tu vois, si tu tues ces récolteurs, il faut qu'il les reproduise, sinon il peut plus faire d'armée. Et comment tu fais quand t'as plus de, parce que si t'as plus de récolteurs, t'as plus de. Ah bah si t'as plus de récolteurs et plus de ressources, t'as perdu la partie en fait. Putain. Eh ouais mon bro. Tiens toi. Mais y a un autre faux là. Je crois que ouais. C'est lui. Ouais c'est ça, tu l'as bien déglingué. Bah, non, là t'as tué un vrai là. Non, ah. C'est un vrai aussi. Ah, on peut tuer des vrais, ok. Ah oui, tu peux tuer tes potes. Ah, tu peux fumer tes potes. Ah, j'en ai fumé 2-3 en plus. Oh ouais, bah ça c'est... J'ai gagné là. Ah là, j'ai pas gagné. Non, pas encore. En fait, le jeu se termine quand tu tues tous les bâtiments. Ah ok. Donc là, l'IA considère que elle peut encore gagner la partie. Donc, ah, parce qu'ils ont ils ont B2. Oh, voilà. Les cons. Donc là, si tu tues tous les drones et que tu prends ce bâtiment, en théorie, il devrait dire GG. Ouais, bah il a intérêt là, va falloir suren là mon gars, hein. Pas toute la soirée. Hein. Y'a des vrais joueurs à farm maintenant. Est-ce que t'as balancé des marines là pendant ce temps? Est-ce que t'as produit? Bah j'ai refait, là j'avais un peu oublié, mais honnêtement, ouais. Regarde, ils arrivent bien quand même. Hein. Non, mais en vrai, gros, tu fais tes unités, hein. Je suis plutôt fier. Et t'as fait une petite académie fantôme, je sais pas pourquoi, mais c'est stylé. Et je l'ai vu, je me suis dit pourquoi pas. Allez, ça suren! Voilà, easy. Un vaincu sur StarCraft tout simplement. Ah, combien d'APM? Je crois que t'étais dans les 60 et quelques. C'est 75. Aïe. Comment pas mal. C'est où? Faut que t'ailles dans performance. 75. C'est une performance, on va pas se mentir. Ah, il a eu plus que moi quand même. Bah ouais, mais bon. Ouais. Est-ce qu'il avait des groupes de contrôle, tu penses? Non. Bah non. Bon, là dans le graph, je vois que j'ai un moment down là. Entre la 8 et la 11ème minute, je crois que je suis en momentum down. Je sais pas ce qui se passe. Alors ça c'est ta valeur d'armée, mais ouais c'est au moment où tu paumes ton armée chez lui en fait. Ah. Non donc mais là ça... en gros l'idée, parce que pour que je comprenne bien, du coup ouais. C'est genre, tu construis, tu fais tes marines, tu fais des faucheurs dans une game en tant que Terran. Alors les faucheurs c'est de la merde hein, je... Ah ceux qui vont vite là? Ouais c'était un petit kiff que tu t'es fait, je t'ai laissé faire mais c'est pas terrible. Ah et y'a d'autres unités bien? Ouais y'en a plein. En Terran y'a plein de trucs bien, mais le faucheur est probablement le moins bien en fait. Ah ok donc j'arrête les faucheurs. Ouais, mais Ah, je suis chaud d'essayer, hein, peut-être... Oh, c'est ça. Les Protoss, ouais, ils font quoi? Ah, je sens qu'il y a Shones, là, il t'a servi. Ouais, Shones, il me met des messages de Protoss depuis tout à l'heure dans le chat, là. Ça m'a l'air d'être pas mal, quand même, parce que j'avoue que Terran... Enfin, je veux absolument pas t'offenser, mais ça a l'air d'être pour les petites couilles, mon coca. Voilà tout. Non, mais qu'est-ce que c'est? Tu fais des combos, tu... Ouais, non, bah si tu fais des quarts de cercle haut, normalement, avec ton jeu, tu gagnes direct. Au top, bah parfait. Y'a pas de problème. Bah écoute, si tu veux essayer de Protoss, t'y vas direct, hein, tu te mets bien. Hein. Non, je veux bien essayer une, tu sais, pour comparer. Et ensuite, je saurais... Eh, c'est archi kiffant, en tout cas. Genre, merci beaucoup, Coca. En fait, quand je suis dans la game, j'ai dû... Je focus pas tout le temps sur ce que tu me dis entièrement, mais dans l'ensemble, si t'es pas là, je suis perdu. Donc, ouais, non, mais je constate. Bon, t'as lancé Protoss, ça part. Mais en vrai, je kiffe beaucoup. Enfin, tu vois, donc. Ce qui est important non, aussi, quoi. Moi, tu me fais bien rire, gros. Hein, bon, bah écoute, ça va alors. Enfin, alors, Protoss, tu fais spawn tes unités en plein combat. C'est pas mal, ça.
Mais ça a l'air coca du courage. Ouais, ça va pas être facile. Hein. Je suis désolé. Mec, genre, j'ai un espèce de mix entre Forest et Focus, et en même temps, il me fait rire le con, tu vois. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois là? On lance un récolteur en d'abord. Putain, quoi l'erreur. Que tu fasses, quelle que soit la game, récolteur. Hop, Alors, du coup, avec Protoss, tu vas faire des pylônes. Et en fait, la spécificité de Protoss par rapport à Terran, c'est que tes pylônes, donc tes petites maisons, elles vont faire des champs d'énergie, et tu pourras produire des bâtiments que dans cette zone là. Donc vas-y, tu vas nous en faire un tout de suite. Voilà, let's go. Hop, et tu vois, regarde, clique sur ton pylône. Il y a une petite zone autour. Ah là, je peux pas créer d'autres bâtiments parce qu'il n'y a pas la zone encore. Exactement. Okay. Et alors aussi, l'avantage de Protoss, parce que c'est ça qui est fort aussi, c'est que du coup, ta probe, là, ton récolteur, il n'a pas besoin de rester près du bâtiment. Une fois qu'il a posé la petite boule, il peut y aller. Ok, il fait sa vie, quoi. Ouais, exactement. Mais du coup, il fait... Ah, c'est les pieds, ok. Donc là, le portail, ça va être l'équivalent de la caserne de tout à l'heure. Ok. Pas de raffinerie ? Raffinerie, c'est quand à peu près ? Quelle minute ? En fait, c'est toujours après la caserne. Ok. Ou le, voilà. Et là, du coup, je fais caserne, là ? Assimilateur, ouais, c'est nul ? L'assimilateur, c'est... Bah, c'est la raffinerie, en fait, c'est pareil. Ah, ok, bah oui, pardon, oui, je suis con. Forge, du coup, c'est caserne. Non, c'est le portail. Ah oui, putain, excuse-moi. T'inquiète. Donc là, tu peux même m'en mettre deux, là. Mets-moi-en un deuxième, mets-toi bien. Ah oui, putain, ils créent direct, hein. Ils sont plaisants, eux, hein. Ouais, et là, tu renvoies au minerai direct. C'est pour les gros APM comme moi, ça. Lianaja, merci pour le sub. Et là, je les renvoie direct, hop, hop. Il va charbonner. Et là, ouvrier, alors, 17 sur 16, c'est pas gênant. Bah non, c'est pas gênant. Parce que par contre, tu peux prendre tes gaz, là, par exemple. Tu vois, tu vas me prendre un petit... une petite raffinerie, un petit extracteur en haut à droite et un petit extracteur en bas à gauche, pardon. Donc le raccourci, je crois que c'est BA, si je me trompe pas. C'est ça, hein? Ouais. Ok. Et là, du coup, t'en fais un autre sur l'autre gaz, tu vois. Ok. Parfait. Exactement. Là, lui, alors, il peut se barrer. Vas-y, hésite pas à faire un petit groupe de contrôle avec tes portails et un autre avec ta... Avec ton Nexus. Contrôle le Nexus étant le... Ouais, et le Nexus, c'est le bâtiment principal. Ok. Et le Nexus, contrôle 2. Exactement, mon beau. Ok, donc. Ok. Le con. Contrôle 2. C'est lourd, mais j'avoue que c'est... Putain, faut être dedans, quoi. T'as augmenté la difficulté du bot ou pas? Non, pas du tout, non. Bah attends, t'es moins bon en Protoss qu'en Terran pour l'instant. Peut-être ça va changer, mais... On ne sait pas. Faut faire les choses doucement. C'est alors vrai. Du coup, une spécificité Protoss, regarde. Si tu prends ton Nexus... ton bâtiment principal, eh ben, il a un petit spell sympa qui s'appelle le boost, le chrono boost, le boost, je sais pas quoi. La poussée temporelle, okay. Exactement. Et en fait, si tu cliques sur ça, puis sur un bâtiment, ça va accélérer la vitesse de production. Et voilà. Ton Zélote, il sort plus vite. Archi propre. Donc t'as vu, là, la game a à peine commencé que t'as déjà une meilleure race que Terran. Bah ouais, t'as moins de style, mais t'es plus fort. Donc bon, ça c'est une histoire de goût après, tu vois ce que je veux dire. Du coup là t'es supply block mon petit bro, supply block, c'est jamais bon, pas assez de maisons, donc hésite pas à me faire des pas assez pylônes. De maisons, putain. Attends, hop, lui il va faire ça, petit pylône. Ah mais ça faut avoir les binds. Ouais c'est BE. Et alors du coup regarde, je te montre un autre truc assez cool, ouais. Appuie sur BE, touche à rien après. Attends, BE appuie mais... Voilà, attends, et ouais. Ok. Donc avec ta petite probe, BE. Ouais. Et ensuite appuie sur majuscule et fais plusieurs pylônes donc. Et tu lâches pas majuscule. Tu fais un clic gauche, un clic gauche, un clic gauche. Et voilà. C'était le meilleur truc à me dire. Donc ça marche dans toutes les races. Hein. C'est en gros la touche maj, ça te permet d'enchaîner les commandes en fait en quelque sorte. C'était le meilleur truc à me dire. Deuxième j'extend, B2. Ouais, si tu veux. Elle est pas là par contre, elle est en dessous, regarde à gauche. Il y a plus proche, voilà. BA ? Non, BN. BN. BN, BN, BN. Excuse-moi. Non, pour, c'est... Faire une, pour faire une pyramide. Naïf, naïf. C'est BN. Oh là là ! Voilà ! Non, je peux. Ok. Donc, du coup, la next step en proto, ça va être de faire un cybernetic core. Donc, tu vas prendre ta petite probe, aller près de tes supplies, près de tes pylônes. On a été attaqué là. Non, t'inquiète, t'es bien. Alors, par contre, tes zélotes, ils sont partis. Donc, tes zélotes, c'était des espèces de Jedi de l'espace là. Ils sont en train de charger un SCB, hein. Ils sont partis au bout du monde. Ah, là. Ça c'est ok. Ah, mais ouais. Il est malin. Tu peux les faire danser si tu veux. Si tu les sélectionnes, t'appuies sur slash dance. Quand tu tapes slash dance, ils vont danser. Et ils font même le moonwalk, les protos, donc c'est plutôt cool. Ok.
Voilà. Ça c'est quoi quand si on détruit ça? Tu peux cliquer dessus avec un A-clic. C'est un élément de décor que tu peux casser pour élargir un peu l'ouverture. Ça les occupe, ça les occupe. Voilà, c'est ça. C'est important de donner du travail. Du coup, il va falloir que tu fasses ton conseil crépuscule, ton cybernéticor, on appelle ça. Par donc, contre, ça demande grave. C'est une race qui demande plus de skills, non? Non, pas du tout. Non? Enfin, comme il y a tout le temps des trucs en mouvement et tout, c'est pas plus difficile? Mais qu'est-ce qu'il y a toujours en mouvement, par exemple, de plus que bah, quand tu poses les bases, ils jouent quoi. Enfin. Non. En fait, mais ça c'est un truc que tu feras avec toutes les races. Mais regarde, par exemple, attends, va pas trop vite. Donc prends cette probe là que je vois, que j'aime bien là. Ou en tout cas, prends-en une. Voilà. Appuie sur B, Y. Pose ton bâtiment et ensuite Shift, donc majuscule, et fais un clic droit sur le minerai. Ok, tu l'as pas fait dans le bon sens. Tu peux le refaire. Donc reprends ta probe là, voilà. Appuie sur par exemple B, comme tout à l'heure avec le truc majuscule, tu sais. Et tu fais directement un clic droit sur le minerai en dernier ordre en fait. C'est quoi le minerai? C'est les ressources bleues. Donc tu fais un bâtiment, n'importe lequel, celui que tu veux. Et ensuite tu fais majuscule. Et tu vas voir, et tu vois, t'as un petit truc vert qui dit qu'elle y va, tu vois. Et en fait, ça marchera aussi avec Terran. C'est-à-dire que dès qu'ils auront fini de construire le bâtiment. Ah, ok, c'est un truc long. Ah, mais ça c'est bien pour les Terran, pour les Zergs qui vont. Enfin, les Protoss qui vont vite, c'est moins bien, non? Bah en fait pour les Protoss, il y a des fois où tu voudras faire vite, c'est-à-dire hop, je pose mon bâtiment, retourne au minerai et tu pars faire autre chose. T'attends pas qu'il ait fini de poser le bâtiment et tu vois, tu peux enchaîner un peu plus vite. Ok. Alors, je vais faire de la sonde là parce que je me sens un peu léger niveau sonde ici quand même. Je vais aller scout. Je vais scouter avec une première équipe. Vas-y, envoie un escadron. Ouais. Ah j'ai eu un peu de mal là. Du coup j'ai fait des noyaux. Amélioration armée aérienne. Non, il faut que tu fasses en dessous le transfert. Il y a un truc qui s'appelle le transfert. Porte de transfert? Ouais, et celui-là, tu vas mettre des petits chrono boosts comme tu faisais tout à l'heure, des petites poussées temporelles. Ça me plaît, ça. Là, tu vas mettre des petites poussées temporelles. Oh, attention, tes zélotes. À clic. Voilà. Donc, tu vois, le gros. Alors, en fait, c'est plus intéressant de faire un à clic en général sur les Protoss. Et c'est automatique? Ouais, en fait, ils vont attaquer tout ce qui bouge. Et en fait, le problème, si tu cliques une unité en particulier, c'est que ça va tourner autour et il y en a qui vont pas taper tout de suite. Donc, vaut mieux qu'ils maximisent les dégâts, en fait. Ah oui, tu peux faire directement aussi les faire pop sur les minerais et tout, là, les autres, parce que j'avoue que... Ouais. Un clic droit sur le minerai avec ton Nexus, ça ira directement récolter, ouais. Non, il branle rien, là. Incroyable, ça. Ok, donc là... Il me manque des trucs là. Je sens qu'il me manque des trucs. Qu'est-ce que je devrais faire là de plus? Attaquer? Non. Tu vas faire des stalkers. Ça c'est bien. T'en as fait un, des trackers. C'est très très bien. Tracker c'est bien? Ah, ils arrivent. Là ils arrivent. Tracker c'est fort. Je me disais aussi là, ça me plaisait ça. Allez, boum. Allez, vous mettez un max de trackers ici. Et là je peux pas faire grand chose. Hein. Si je fais. Une petite poussée temporelle ici. Ouais, fais-moi une petite poussée temporelle en plus encore sur ton noyau tout à droite là. Voilà. Celui-là. Donc parce que en fait ça c'est lui qui va amener cette amélioration très spécifique de se téléporter au combat en fait. Ok. Là je l'ai je crois. Hein. Ouais je pense que tu l'as. Hein. Là hop je repars direct. Ram c'est BF. Alors BF je sais pas ce que BF, c'est. BF c'est caserne. Non. C'est la forge. Ah c'est, ouais. C'est BG. BG. Voilà. C'est BG. Non, je rentre dans le piège du BF et derrière, forcément, il y a les conséquences, quoi. Ouais, bon. Alors, du coup, là, regarde, t'as fini ton amélioration tout à droite. Donc, du coup, tu peux prendre tes deux portails et annuler ce qu'il y a dans la barre de production. Donc, t'appuies sur échappe. Donc, tu sélectionnes tes deux portails et t'appuies sur échappe. Ah, ouais, pas. Ok, échappe. Putain, donc c'est en fait comme ils ont tous un nom différent. Voilà, moi je dis regarde, c'est tous des casernes. Là, ouais, si tu veux. C'est tous des casernes comme ça. Et regarde, là ils viennent de se transformer. Je sais pas si tu l'as sous les yeux. Ils viennent de se transformer. Ah, c'est une claque, hein. Oh, en fait... non, mais visuellement. Non, mais quand t'es pas habitué, c'est. Ah ouais, faut. Ah non, mais. Ça fait effet, quoi. Ah ouais, y'a quelque chose, quoi. Et donc, du coup, regarde, là, prends tes portails. Appuie sur Z. Et tu peux le TP. Et là, si tu fais un clic gauche, il va apparaître sous tes yeux. Et ça fait effet aussi. Hein. Hop! Et regarde, il est prêt à combattre. Let's go. Ah, ils vont beaucoup plus vite, c'est ça? Ouais, c'est stylé. Hein. Ah, mais il faut des pylônes. Est-ce que si je fais un pylône genre là? Eh putain, mais tu comprends vite, toi. Putain, j'envoie direct un mec. Fais un pylône là, tu pourras warper
chez le mec. J'envoie direct un mec ici faire full pylône. Boum, petit pylône ici. Et toi, là par ici, il sert, il a vu. Par contre, Domi, ça cliquait plus vite en Terran. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Mais c'est pas mal, mais. Mais en fait, c'est quoi les W? Ça sélectionne tous tes portails d'un coup. Putain, il y a Shones, il se hype, il est là, genre il kiffe déjà et tout. Ah, plus 50, ou moins, hein, plus ou moins. 50 euros qui joue à la Z, il joue Protoss à la Z là. Je galère hein, quand même. Il est en train de te recruter dans sa clique. Je sais que vous voyez pas ça du tout, hein, justement, vous sur. Vous dites, toi, putain, comment il fait pour être aussi chaud, mais je galère un peu. Non, en direct, les protes. Alors, du coup, fais juste à clic là. Là, faut faire ça bien, là. Faut être comme un bon Protoss. Voilà, tu charcutes tout. T'hésites pas. C'est pas mal ça, quand même. Hein. Ouais, moi j'aime bien. Là. Allez, hop. Un peu plus loin. Deuxième. Un petit pylône. Mais là, je pense que tu vas le buter trop vite, mon bon PA, là. C'est ça le problème. Ah, c'est les Protoss, hein. Non, je vais déjà faire ça, là, si je fais 1. 1. C'est le Nexus. Non, c'est pas le Nexus, c'est 1. Bon, je vois que dans le chat, il y a des gens qui me disent « Coca, tu lui as pas parlé de ça, pas parlé de ça et tout », mais je pense qu'il faut y aller tranquille, tu vois. Sinon, après, tu vas pas dormir, tu vois. Tu vas penser à trop de trucs en même temps. Attaque. Et comment je fais pour rebind? Pour rebind, c'est-à-dire là, par exemple, j'ai ajouté un portail, comment une porte de transfert, là, pour la rebind. Alors, avec les autres. Et bah, tu cliques sur ce portail-là, et tu fais mage, donc, ouais, majuscule 1. Et en fait, ça va l'ajouter au groupe de contrôle. Oh, propre. C'est bien pensé, hein. Pas con, hein, putain. Voilà. Du tracker. Même si du coup, en Protoss, t'as cette spécificité-là d'avoir tes portails qui sont tous dans le groupe W, en fait. C'est la seule race. Ah, sur N déjà. Ah, c'est pas mal, hein, quand même. Alors, juste pour ton... tu vois, c'est ça, c'est une histoire de cerveau, ça, et tu vas me dire comment tu le sens. Ouais. Mais au niveau des raccourcis, tu peux passer en mode gris, ça s'appelle, et en fait, le mode gris, c'est que... Les spells en bas à droite de ton écran vont suivre l'ordre de ton clavier. Donc numéro 1 en haut à gauche, ça va être A, à côté ça va être Z, à côté ça va être E, à côté ça va être R. Ah, c'est pas mal ça. Tu veux mettre ça, c'est dans tes... T'appuies sur F10, et ça va être dans les options. Attends, en fait, j'ai quitté, mais... Non, t'inquiète, tu peux le faire là. Un petit F10, options, raccourcis, et après t'as un truc qui s'appelle grille. Et peut-être ça simplifiera, t'auras pas besoin d'apprendre que gate c'est G parce que c'est gate en anglais, tu vois, ça aura toujours, ça aura un truc... Ah de... ouais, c'est genre toujours le... Alors attends, redis-moi parce que je regardais un peu déçu de mes APM là, c'est active les barres de vie, mais je crois que j'ai fait. F10... Alors F10, ah c'est tout le temps le même bouton, putain, c'est propre ça. Ouais, F10 c'est les menus, ouais. F10, options, raccourcis, et grille ça s'appelle, donc profil sélectionné en haut à gauche, tu cliques dessus, c'est grille. Je suis débile, je vois pas raccourci, attends. Tout en bas. Ah putain, pardon, j'ai même pas vu. Grille, du coup. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Ensuite, tu peux rajouter une option encore dans jeu, du coup, t'en... Ouais. Donc là, tu mets accepté, juste, ouais. Et tu vas dans jeu, et c'est... afficher les barres de statut des unités en haut à droite. Ouais. Et tu mets toujours. Ok, comme ça, tu vois toujours les HP, et t'es pas obligé de passer la souris dessus. Exactement. J'hésite entre Terran et Protoss. Vous, on peut faire un petit vote, hein. Ouais, vous en pensez quoi, là, le chat, par rapport à mon style de jeu, par rapport à ce que j'ai montré? Terran, Gotthes, Zerg. Zerg, ça va être dur, non? Non, mais Zerg, en fait, Protoss, j'ai peur qu'il faille trop de temps pour vraiment être bon, non? Avec les TP et tout. Terran, ça a l'air d'être plus terre-à-terre, peut-être. Terran, c'est plus simple au début, clairement. Ah ouais? Ouais, voilà. Ah, au début... Enfin, moi, je trouve ça plus logique au début. Après, ouais, voilà, parce que c'est vrai que, en fait, le truc, c'est que, malgré tout, il faut penser à faire tout ça. Après, c'est bien, parce que quand tu fais le mage, tu peux faire tous tes portails. Donc, en fait, ça peut aller assez vite, quand même, Protoss. Mais je pense que je vais faire de la merde, moi, je vais... Je suis un Protoss. Non, je suis un Terran, Je pense que... Ouais, non, je pense que t'as du style, et quand t'as du style, tu joues Terran. Et juste Zerg, ouais, c'est l'enfer. Zerg, non, c'est cool, mais je pense qu'en fait, c'est pas très fort quand tu commences. Ok. Y a un temps mort un peu au début où c'est dur de get good, tu vois. Tu vas plus vite comprendre. Et puis notamment en 2v2, en Terran, le Terran c'est fort, tu vois. Terran c'est très fort. Non, je vais faire Terran. Je pense que c'est l'heure de... De faire un choix. C'est l'heure du choix. Non, d'affronter un vrai mec.
Bah si tu veux, on joue l'un contre l'autre. Non, 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 non. Mais okay. Là, il y a pas des trucs de niveau. Genre, je vais forcément, je vais peut-être tomber contre un mec méga chaud. Écoute, si tu veux. Non, sinon, on peut mettre le boss, l'IA en plus fort. Non, mais fais, clique sur 100 classements en vrai, Domi, lance-toi. Tu penses ? Ouais, vas-y, lance-toi. Moi, je regarde la game depuis le stream et j'essaye de t'aider. Tu vois. Ah, j'ai peur que ça soit une. Ça peut être une grosse erreur, mais en vrai, prendre une claque n'a jamais, tu vois. Ouais, ça peut me. Tu vois, ça peut te montrer un peu où t'en es, quoi. Putain, sur, j'y sur l'échelle du StarCraft. Allez, on y va. Allez, let's go. Oh, si. Allez. Oh, le mec, si je le fume. Si t'as les mains dessus, c'est normal, ça s'appelle StarCraft. Il y a plein de gens qui ont jamais réussi à jouer sérieusement à un jeu parce qu'ils étaient terrorisés. Non, hein, mais je rentre en BA, ensuite je pousse bien en BY, je remets un peu de BF de temps en temps, ensuite clac, ça me semble du marine, du marine, du marine. Il va jouer Protoss, vous inquiétez pas, il va comprendre son erreur. Ah, Sean, qui insiste, putain, Sean, il me fait douter sur mes choix, l'enfoiré. 1000K, merci pour le 50e mois. Mais ouais, ça peut être un niveau assez faible quand même. Normalement, ça peut être fait. Non, mais il y a peut-être un viewer qui t'a snipé. Il y a aussi ce phénomène-là. Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui débutent StarCraft là, le 26 mars 2019 bah, peut-être qu'il y a des viewers là qui ont relancé le jeu et qui l'avaient pas lancé. C'est Tchatchic. C'est Tchatchic, il est Terran aussi. Allez, c'est. Bon, alors, du coup, tu commences par lancer un récolteur au début. Okay. Ouais, direct, récolteur. Et du coup, ça sera pas S. Je sais pas ce que ça sera parce que t'as mis en mode grillé. Je connais pas du tout. Ok, mais je vais apprendre. Mais tu me lances un récolteur. Ouais, je te mets du récolteur. Je peux même en lancer un deuxième dès que t'as 52 minerais, tu vois. Ouais, le récolteur est déjà parti, hein. Je sais pas si... Donc dès que t'as 52 minerais, t'en lances un deuxième. Ok. Et ensuite, une fois que t'auras 100 de minerais, tu feras une maison. Tu feras une maison. C'est bon. Ok. Il est revenu. Ah, tout a changé du coup, c'est W maintenant. Ah ouais. C'est WZ. Ouais, si t'as envie de revenir au normal, tu peux le faire maintenant, hein. Ça va assez vite. Allez, pas une raffinerie. Ah oui, d'accord. Ouais, non, parce que du coup, tout est changé, ok. C'est juste le temps d'adaptation, pas de soucis. Ça me changera pas. Je vais quand même lui fumer sa mère. Vas-y, on revoit du récolteur et une petite raffinerie. Petite raffinerie là ? Let's go la raffinerie là, mets-toi bien. Petite raffinerie, boum. Petite maison, je pense, je vais en faire une deuxième, hein. Non, c'est trop tôt. Ok. Pas besoin de maison quand il y a personne à mettre dedans. Il faut là, tu envoies que du récolteur. Ok, du récolteur. Et en fait, à la fin de ta maison là, tu fais ta baraque directement, ta caserne. À la fin de la raffinerie ? À la fin de. Non, de la maison là, tu peux le lancer, tu pouvais le lancer tout de suite. En fait, la maison permet de débloquer la caserne. Ok, d'accord. Eh ouais, mon bon. Putain, c'est comme ça. Hein, c'est... Pas assez de minerais, il branle quoi là ? Allez, du coup, voilà, renvoie sature-moi ce petit récolteur, ce petit gaz là, c'est bien. Et regarde là, t'as un petit SCV qui se masturbe au milieu de ta ligne de minerais. Il suit un copain, il fait semblant de travailler. Ouais, au milieu de ta ligne de minerais, il y en a un, il suit son pote. Il travaille pas du tout. Mais pourquoi ? Mais de temps en temps, ils te font ça ? Ouais, il faut c'est toi qui as fait un petit clic à côté, hein, je pense. Ah, j'ai cliqué à côté. On va pas accuser les récolteurs, c'est bon. Mais je sais pas, je me suis dit peut-être dans toi ils te font des blagues, on connaît l'humour, StarCraft. Oh, il vient. Non, c'est bon, il fait que regarder ce qui se passe chez toi. Oh, viens, tu peux si tu veux, frérot. Ouais, ça s'appelle scooter, il veut savoir ce qui se passe. Il scoote un peu, tu sais ce qui t'attend. Mais toi t'es plus fort, donc ça t'intéresse. Je vais passer à la vitesse supérieure, je pense faire une B2. J'expande. Non. J'expande. Non, tu vas trop vite. Ok. J'expande pas. Faut pas expandre. Non, crée un marine, et là tu peux même envoyer une usine. Ok, j'ai refait une petite maison parce que je sens que je suis un peu léger. Ouais, ça c'est bien, la maison c'est cool. Tu peux transformer en orbital comme tu le faisais tout à l'heure. Mais je ne le tue pas ? Non, mais il faut. Alors à ce moment-là, tu peux y aller avec tes récolteurs. Mais juste un coup ça suffit pas là, c'est sûr. Ah, il va voir toute ma game là. Ah bah tu peux le pousser, mais. Vas-y, envoie du coup ton orbital comme tu faisais tout à l'heure. C'est avec ton centre de commandement, tu t'appuies sur R, je crois. Faut que t'aies rien en production à ce moment-là. Ok, il reste un petit dernier gars là. Attends, je fais une usine, tu m'as dit aussi. Ouais, ça c'est bien. Donc, c'est quoi l'usine? Donc c'est pas W, c'est la touche à côté. C'est centre technique? Non, c'est dans l'autre panneau de production. Ah putain, c'est X, ouais, pardon. Ok, usine. Il m'énerve. Il est à côté, il regarde là. Ok, j'envoie la station orbitale. Let's go. Je vais lui niquer sa mère, j'y vais. Vas-y, non. Avec tes marines, tu peux. Ouais, ouais, voilà. Marine. Ah non, mais défonce le civil, voilà. Alors, ils vont chase. Sur ta Rax, mec, ce que tu peux faire, c'est annuler le marine et appuyer sur réacteur. Je sais pas quel bouton ça sera non plus. Et tu peux faire un réacteur. Et en fait, ça va te permettre de faire les marines par deux. Deux d'un coup. Ah putain, bien ça. Ouais. Et c'est quoi du coup ? Réacteur, ok. Ouais, un réacteur. Boum. Est-ce que t'as tué le SCV ou pas ? Ouais, je l'ai tué. Let's go. Il est mort. Pas de B2 là ? Peux poser une petite B2 si ça t'intéresse. Ouais, petite B2, j'aime bien l'idée. Deuxième base.
Petite B2. Et là, tu peux même rajouter deux baraques de plus. Je te mets deux baraques derrière, ok, ça marche. Ouais, et tu les mets dans dans ta première base, hein, dans ta main Ouais, base. quelque chose. Ok, ensuite ta facto, donc ton usine, pardon, va me faire un tech lab, on appelle ça. Donc un laboratoire technique. Ok, c'est en cours de prod, c'est en cours de prod. Voilà. Ok, là ça charbonne là. Je vois pas les deux baraques. Hein. Je vois pas les deux baraques à l'écran, même C'est en s'il y a cours, du c'est en béton. cours. Il y en a une en bas, il y en a une en haut. C'est en cours, mon coca. C'est en cours, ça envoie, c'est en prod. Mais c'est des maisons, ça, c'est pas des baraques, c'est pas des casernes. Ah ouais, Tu ouais. paniques, tu paniques. J'ai paniqué, mais c'est pas grave. Allez, lance-moi des marines par deux là. Ouais, mais des baraques aussi. Bah ouais, mais baraques, casernes, C'est c'est vrai, bon quoi. c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'il faut que je commence à adapter un jargon de 9 ans pour toi, Domi? Ça va pas aller. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est ma faute. J'envoie, je l'aide. Je vais là-bas. Voilà. Petite donc raffinerie aussi. hésite pas à m'envoyer plus de marines. Et Plus là, de regarde, marine. mec. Est-ce que tu veux envoyer un gros tank? Tu vois? Un gros tank. Ouais, pas Parce que mal. sur ton usine, tu peux faire des tanks. Y a un truc qui s'appelle le tank. Le char de siège, mais je t'envoie un char de siège, mec. Eh ouais, mec. Ça, c'est un plaisir de pouvoir t'envoyer un char de siège comme ça. Tu vas voir, ça va être une des raisons qui font que tu vas jouer Terra. Genre le marine char de siège, tu vois. Je faisais ça à 5 ans sur StarCraft 1, tu vois. Et Ah je ouais, continue à le putain. faire en 2019. Parce que c'est trop bien. C'est un classique. Donc. Ok, pour l'instant j'en ai qu'une. Ensuite je vais faire le contrôle les trois là. Ouais, donc double clic sur tes baraques. T'as pas besoin d'attendre qu'elles soient finies pour le faire. Tu peux le faire avant. Ok. À partir du moment où elles sont en production. Et j'appelle ça mage 1. Ok, c'est bon. Voilà. Et Et je fais quoi là comme prochain bâtiment? fais des réacteurs aussi sur tes deux autres baraques. Tu vas faire beaucoup de marines. On va le faire comme ça. On va faire Ok. beaucoup, beaucoup, beaucoup de marines. Ok. Ça me plaît. Peux m'envoyer un tank aussi encore, un Un deuxième? deuxième tank, je t'envoie un deuxième tank, frère. Hein, tu me Allez, dis, on moi, va. je t'envoie. Hein, Ouais. c'est un plaisir de t'envoyer des tanks. Hein. Le sert bien chaud Bien sûr! et puis derrière et ben écoute dès qu'on pourra on va attaquer hein. Je pense qu'on peut commencer. Et regarde donc du coup sélectionne ton tank, tu vas voir il a un sort et se mettre en mode siège. Ouf, Il y tu va, peux le mettre. quoi. Et en fait il va se siéger et Ok. il va tirer moins régulièrement, mais il va faire d'énormes dégâts de zone en plus. Ok. Donc ça c'est très très bien, une fois que tu seras en bas de chez ton adversaire, tu pourras te mettre dans ce mode là. Vas-y, est-ce que ça te dirait un petit scan? Oh ouais là mais mec. Non mais frère, je suis là, regarde, je suis... Ah, j'aime bien ça! Il est en panique! Il est en panique! Il choque ou pas? J'ai pas vu du coup ce qu'il a Ah fait. mec, il était full choke, il a SCSIV en train de faire les campeurs là. Attends, Donc c'est vas-y, 1. C'est 1, appuie sur j'envoie 1, full marine. appuie plein de fois sur A, et mets ton usine en groupe 2 par exemple, contrôle 2. Attends. Ok, ça c'est match 2. 2. Et... Tank! Encore du tank! Et du J'attaque! tank, toujours plus de tank. Et vas-y, et Duke-Q, en vrai, si tu veux devenir pro gamer, c'est pas ce que je devrais t'apprendre, mais tu vas pas devenir pro Bien gamer. sûr que non, on nique juste Appuie des sur mers, nous. F2, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, avec F2, tu vas sélectionner toutes tes unités qui sont sur la carte. Tu vois, comme ça, t'arrêtes de réfléchir. Ok, T'appuies bien sur sûr. F2, t'appuies sur F2, et il y a tout qui sera dans ton groupe tout le temps, tu vois. Allez, maintenant, tu traverses la carte. Là, Let's j'y go. vais, mec. Là, je suis. Et Peut-être une patate. petite raffinerie de plus. Je suis bien niveau raffinerie ou t'en penses Non, quoi? par contre, je vois qu'il te manque des maisons. Ah, ça. Ouais, ouais, Des ouais, petits ouais. Très bien supplies. vu. Très, très bien vu. Donc là, tu peux, regarde, prends plusieurs SCV d'un coup. Un grand coup de select en fait au niveau de ta ligne de minerai. Et t'appuies sur BS, BS, enfin je sais pas quel raccourci c'est, excuse-moi. Et Ouais, c'est tu appuies sur. W, Ouais. WE. WE, WE. Mais tu vois, tu peux le faire un grand coup en fait. Si tu sélectionnes 5 SCV en même temps et que t'appuies sur WE, 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 et bah les 5 ils vont aller Oh, produire en attends, même temps, attends! tu vois. À clic! À clic! Je nique sa mère! Alors du coup, c'est tes clics, Ah, c'est tes clics! Maintenant c'est tes clics. Oh bah, oh putain! Je nique sa Allez, nique mère! tout! Nique lui tout! Allez, let's go! N'hésite pas à siéger tes tanks! N'hésite pas à siéger tes tanks! Mais t'es en train de l'annihiler! Mais je nique sa mère! Viens là, toi, viens là, tu veux fuir, tu veux fuir! Non, mais Vas-y, venez, venez! X! Oh sélectionne. non, j'ai choqué! Non, t'inquiète, t'inquiète, c'est Je ok, suis allé un c'est peu loin, ok. je suis un peu loin, un Oh! peu. Clique son tank, ça va poser problème sinon! Clique son tank! Ah! C'est quoi un. Son tank à lui! Oh, le shoot! Non! Ah! Monte la rampe, monte la rampe, monte la rampe! Je fuis! Au secours! Non! Alors voilà, là tu découvres le jeu de la vision, hein, tout simplement. C'est-à-dire Oh qu'il non. est en haut d'une falaise, donc du coup Et tu ne le vois pas. je joue un peu quand même, je pourrais pas cliquer. Mais non, parce que comme tu le vois pas, tu peux pas. Do him shot. Ok, c'est pas grave, je vais Donc refaire vas-y, full. reproduis chez toi, reproduis. Non, non, j'ai cliqué là. Ici. Oh, j'ai envoyé. Ok, Ah, lui, je c'est vais le ça. cacher, lui.
Donc du coup, là, ce qui aurait pu te permettre de gagner, c'était d'avoir ton centre de commande dans un groupe de contrôle, en fait. Parce que du coup, si tu utilises un scan, à cet endroit-là, t'aurais vu le haut de la rampe, tu vois ce que je veux dire? Non, mais bien sûr. Donc du coup, n'hésite pas à mettre tes deux bâtiments principaux dans un groupe de contrôle ensemble. Ok. Je vais envoyer full. Non, mais là, ça, je peux te dire que ça se repassera pas comme ça. Oh, il y a plus de minerai. B3? Allez, B3. Allez, tu m'as séduit. Tu m'as chauffé, là. B3, allez, hop, ça part. Bah, y a un mec qui dit, on rigole, mais en vrai, pour une première fois, c'est bien ce qu'il fait Domingo, et il a raison, mec. Ah ouais? Ouais. C'est pas ridicule là? Putain, En je vrai. donne, hein, je donne, hein, j'ai l'impression là de. Encore. 1A. 1A. Les gens rigolent, mais On envoie. Que ce Toi, soit tu toi ou B3, toi. Sardoche, mec, je faisais pas ça en 2010, moi. Pour de vrai, hein. Putain. Pff, oh putain. 3K5 minerais, mais comment on utilise les minerais, les gars? Eh bah, plus de baraques, plus de casernes. Plus de baraques, plus de baraques, putain. En Allez, plus, plus mec. de. Plus de. Attends, tu m'as dit, c'est mage, comment t'en fais plusieurs à la fois? Donc du coup tu prends plusieurs essais. En fait faut prendre plusieurs récolteurs en même temps. Tu fais un gros groupe de contrôle, enfin un gros carré de sélection, tu vois. Ouais. Voilà, et là tu appuies sur ton raccourci pour faire la baraque. Ouais. Ensuite mage, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche. Voilà, parfait mec. Allez, on y va. Ensuite regarde, là fais un la garde-les dans la main, ouais. Fais un dernier clic gauche, ouais, trop tard. Reprends tes SCV que t'es en train de construire. On va essayer d'être un peu méthodique sur ça. Donc les SCV que t'es en train de produire des baraques là. Ouais. Prends-les. Un gros carré de sélection. Ouais. Voilà. Enfin, il y a Et des là, mecs qui fais un clic droit sur le minerai. Ils arrêtent les casernes? Non, dès qu'ils auront fini de faire les casernes, ils retourneront miner. Voilà. Et donc maintenant, double clic sur les casernes. Double clic gauche. Et tu fais mage 1. Mage 1. Et là, t'as 9 casernes dans ton groupe de commande 1. Mais lui, il branle rien là. Et là maintenant, il va falloir que tu fasses des petites maisons en plus parce que t'es presque saturé. Oh là là, je te dis ça, t'en as déjà une en place. Je suis en cours, je suis en cours. J'avais vu que c'était chaud. Je suis à sandpop là. J'ai décalé parce que j'ai vu que B1 7 sur 8. Donc Ouais, c'était chaud. Vas-y, balance-moi du marine là. Ouais. Produis-moi du marine, mon petit bro. Et du tank, il y a quoi d'autre? Oh, j'ai plus assez de maisons. Ouais, plus de maisons, mec. Plus de maisons, plus de maisons. Même technique. Alors, par contre, vas-y, prends-moi tes trois bâtiments principaux là et mets-les dans un groupe 3, contrôle 3. Putain, je panique là. Ouais, je vois ça, mais t'inquiète, t'as le temps. T'es devant dans la game. Hein. Je le T'es devant. rattraquerai pas là-bas? Non, je pense. Attends un petit peu, je voudrais juste que tu fasses ce que je vais te dire, comme ça Vas-y, tu vas dis-moi, pouvoir. dis-moi, dis-moi. Donc, prends tes trois bâtiments principaux et mets-les dans le groupe de contrôle 3. Trois bâtiments principaux, attends. Du coup, Donc, en fait, si tu sélectionnes celui-là, tu fais mage, donc sélectionne un des Attends. bâtiments, Ah, un des. appuie. Ce bâtiment principal. Ouais, donc prends-en un. C'est quoi, bâtiment principal? Bah c'est ton centre de commandement, c'est ton forum, tu vois. Voilà. Donc là t'en as un. Ouais. Ensuite tu vas appuyer sur mage Ouais. et tu vas aller faire un clic gauche sur l'autre dans ta deuxième base. Ok, et le troisième aussi? et le troisième ensuite. Ok, et mage 3? Et là tu fais mage 3. Ok. Et voilà, là tu les as dans ton groupe de contrôle numéro 3. Donc maintenant appuie sur 3 de nouveau et fais un petit scan comme t'as fait au début de la partie sur la deuxième base de ton adversaire. Merde, Comme ça pardon. tu vas voir à peu près ce qu'il a, mec. Ok, en dessous, dans la deuxième base. Il pue, j'y vais. Allez, bah là je pense que tu fais un F2 à clic et t'y vas. Hein. Putain, mais j'ai plus de marine. J'aimerais avoir plus de marine. Et bah t'appuies sur 1 et A. Enfin 1 et je sais pas quoi. Ouais, A toujours, je crois. Mais produit, remplis tes fils de production de caserne. Peux rester appuyé. Si tu restes appuyé, ça remplit tout. Ouais, bon, très bien, tu le fais déjà. Let's go. Oh non, je suis déjà mort. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Faut pas que tu paniques. Vas-y, défonce-le. T'as plus. Par contre, faut que t'attaques. Attaque. J'ai peur, comment tape les tanks? Faut que je lui donne la vision, faut que je donne la vision pour les tanks. Eh bah, tu t'appuies sur 3, C. Là, y a des tanks encore ou pas? Ah, y a Non, plus non, de tanks, les cons, hein? Là-bas, qu'est-ce que tu me fais, toi? Ils tapent les tanks? J'ai l'impression qu'ils branlent rien, les tanks. Bah les tanks ils sont plus à portée en fait, ils sont trop Putain, loin donc faut que tu les désièges et que tu les rapproches. Allez attention, attention t'es en train de te faire dépouiller tes marines là. F2, F2, rapproche tout, rapproche tout. N'hésite pas F2 gros, n'hésite pas. Ah mais tu le défonces hein. Bien sûr. Le mec prend ah Let's go. Ah j'espère que ça fait longtemps que tu jouais, je pense pas mais j'espère. Ah je suis un terran. Ah je suis un terran de ouf. Oh là là.
Ah, let's go, GG, putain. Un vaincu. Ah, mais le coaching aussi, c'était top, hein. Un vaincu, mec. Ah, oh, c'était ça te... J'ai, ouais, parce qu'en fait, souvent, j'avoue que F2, comme j'appuie jamais sur F2 dans des jeux... Ouais. Genre, j'appuie sur 2 quand tu me dis F2. Je suis ouais, en non, mode... C'est oh, j'ai fait rage quitte un mec, putain. Bienvenue, Syriad, merci pour le Prime, merci le petit zèbre aussi pour les 100 bits. Let's fucking go, 6 mois aussi de sub. Merci à vous, les potos. Oh, j'ai des hauts faits, là. Oh, pourquoi il joue Terran en 2019 en jeu Protoss? Moi, je joue contre la méta, les gars, c'est incroyable. C'est... Alors, résumé. Ah, 61 d'APM, je suis... C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, il a 41, lui, j'avoue. Takapa, bien, merci pour le Prime. Et lui, on peut voir son profil un peu, il a déjà joué. Allez, vas-y, je te mets un petit sub pour cette première victoire. Oh là là, mais quel frère, le coca. Merci, eh, merci beaucoup, en tout cas, pour le coaching, parce que j'avoue que ça me... Je dois pas être un très bon... Il y a eu meilleur élève, mais... Ouais, parce que je suis un peu trop... Hey, il est silver, hein, le gars. C'est fort, silver. Bah, c'est comme sur LoL, hein. C'est pas ouf, mais ça fonctionne. J'ai pété un silver, là, direct. En vrai, c'est clean, mec. En vrai, c'est clean. En vrai, c'est très clean. Putain, mais il avait un peu FK, le gars, quand même. Mais je fais quoi, là? Je rejoue, là? Je lance en ranked c'est excitant, quand même, hein. C'est pas mal. Je comprends pourquoi vous êtes chauffé pendant autant de temps et que vous êtes encore à fond, quoi, parce que... Oh, les meilleurs mecs, ça doit être... Oh, j'avoue que... Non, parce que moi, j'ai regardé du StarCraft 2, tu vois, mais sans comprendre et tout, parce que, bah, vous avez tous se touchés au gaming, vous êtes des putains de casters, c'est comme ça qu'est né l'e-sport en France, quand même, et même l'e-sport tout court, presque. Bah, et du coup, c'est... Je comprenais pas trop, mais il se passe des trucs et tout, je me posais devant. Merci beaucoup, il y a plein de subs, Enrage, deuxième mois, 23e mois pour Chouab Sagrum, Nexobody qui lâche son prime aussi, le petit zèbre qui relâche un prime, genre, fais une ou quoi, là? Eh, ça me... Est-ce que tu veux... Alors, en fait, la next step, c'est est-ce que tu veux que je te montre un build entre guillemets. Ah de ouf. Ok. Et ensuite voilà. Tu me le montres et ensuite je le fais. Ouais, exactement. Ah, je suis trop chaud. C'est le meilleur moyen d'apprendre. Vas-y, de chaud de ouf. Alors on va faire ça mon bro. Putain, trop bien, c'est archi excitant. Oh là là. Le fameux archi excitant. Ah ouais, non mais il sort pas tant que ça, hein. Donc c'est... Il est grave cool le gars, c'est quoi son Twitter? Bah c'est Coca. C'est quoi ton Twitter, mon Coca? Coca underscore StarCraft. Si les modos, vous pouvez trouver ça et vous pouvez mettre ça à chaque fois que les gens demandent et tout, n'hésitez pas. N'hésitez pas, ouais. Alors mon bro, alors, t'es prêt ou quoi? Ouais. Attends, je te mets en arbitre, je te mets bien. Ok, oh, je suis bien. Quand même. Tu joues contre un mec en très facile là? Ouais, en fait, t'inquiète, je vais pas forcément l'attaquer, ce qui compte, c'est juste... Ah, c'est le pattern, quoi. Voilà, c'est exactement ça, c'est le pattern. Donc du coup, je vais t'apprendre un truc qui, sur le, est pas forcément la strat en 1v1 quand t'essayes de être méta, etc. Mais par contre, qui sera cool pour toi à faire en 2v2 notamment. Ok. Ok. Ah, donc t'as vu, la partie commence, tu fais direct un petit SCV, tu vois. Ouais. Là, tu déconnes pas. Et en fait, tu vas mettre le point de ralliement, comme ça, au niveau de la rampe, tu vois. Ok, et pourquoi fait, parce qu'en fait, avec Terran, la spécificité, c'est que les maisons, tu peux les aplatir, en quelque sorte. Et donc tu vas bloquer si jamais il y a l'armée qui passe. Exactement. Et du coup, toi, si tu veux sortir, comment tu fais? Eh ben, je baisse mon mur. Excuse-moi, juste, je check un truc. Vas-y, okay. T'inquiète. Il y a quelque chose qui marche pas, mais c'est pas grave. Ok. Exactement, parce que moi, je peux baisser mon supply, et donc à partir de là, eh bien, je pourrais simplement passer et refermer quand c'est l'armée adverse, tu vois. Oh ouais, c'est un des petits tricks, tu vois, qu'on a découvert en 2010 et qui marche toujours. Putain, ouais, c'est pour gêner, quoi. Donc hop, regarde, fin de la maison, directement. Caserne. Une caserne. Et en attendant, t'es en full VCS là. Voilà. Les VCS ça coupe jamais de toute façon. Tu vas jamais les couper. Donc en fait, c'est très simple, tu vois. C'est premier CV, il part faire la maison. Ensuite, dès que la maison est finie, tu fais directement une caserne. Et dès que ta caserne est lancée, t'envoies directement une raffinée. Donc en fait, t'es tout le temps en train de faire un truc. Okay. Faut vraiment le voir comme ça. D'accord. Il n'y a jamais de temps mort, donc en fait, t'as pas à réfléchir de la population, du timer, je sais pas quoi. En fait, c'est tu lances des SCV et dès que t'as l'argent, tu le dépenses pour faire quelque chose, en fait, aussi simplement que ça. Ok, d'accord. Ouais, t'essayes de... C'est vrai que moi, pour l'instant, comme il y a quand même beaucoup, beaucoup d'infos, je capte pas tout ce qui se passe, tu ouais, vois. Ouais, c'est normal. Pour ça que c'est trop bien quand tu me dis, tu sais, des petits F2, F2. Ouais, c'est... un, et on reprend, allez. Appuie, frérot, appuie. Ouais, vraiment ça, tu sais. N'hésite pas. Donc là, tu vois, c'est pas un truc qu'on fera en 1v1, et c'est jamais un truc que moi, je ferais en 1v1. Par contre, c'est un truc qui te permettra, toi, d'avoir beaucoup d'units, et en tout cas, de survivre quand tu feras ton 2v2 Zedlan, si jamais ça arrive, tu vois. Ok. Parce que 2v2, c'est le principe, genre, toi t'es enfin c'est en haut à droite, en bas à droite, et les deux autres de l'autre côté, quoi. Bah 2v2, ouais, c'est ça, en enfin, fait, chacun un coin de la map, et ensuite... Non, vous pouvez avoir la même base tous les deux. Ok. Voilà. D'accord. Vous pouvez avoir la même base, et ça pourrait... Donc là, t'as relié tes deux casernes, enfin tes trois casernes, et voilà, tu fais là, des marines.
Donc là maintenant, tu vois, je vais faire un réacteur sur celle-là. Sur celle-là, je vais faire un... je vais rien faire. Et sur la deuxième, je vais faire un petit centre technique. Et le centre Ok. technique, ça va te permettre de rechercher le fameux Steam Pack. Le fameux Steam Pack à clic. Qui a fait gagner des terrains pendant des années. Parce que contre les gens nuls, bah ça fait gagner tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y Donc. en a un, là, il y en a un, c'est réacteur. Ouais. L'autre, il fait des marines. Et le troisième, il a fait un petit laboratoire technique. Regarde, et sur le laboratoire technique, j'ai envoyé le stimulant, ça Ok, s'appelle. d'accord. Et le réacteur, c'est avec le forum, là. Non, le réacteur, c'est sur la baraque. Ah, c'est sur le caserne? Ouais, c'est sur la caserne, Non, regarde, pas le c'est. réacteur, la mule, là. Oui, Ah, la mule, la ouais. mule, c'est juste, en gros, tu fermes plus vite, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça, en fait, elle ramène l'équivalent de 4 SCV sur sa durée de vie, un truc comme ça. Ok. 4 ou 5, je sais plus, tu vois, c'est une science inexacte. Mais grosso Donc modo. là, petite maison. Ouais, la petite maison, elle se termine, hop, j'en relance une directe, tu Putain. vois. Ouais, Ok, puis donc il c'est. y en a un, il est en maison, quoi. Ouais, il y en a un, c'est son boulot, c'est de faire des maisons. Ok, là, tu commences à avoir une petite armée. Voilà. Et regarde là, mine de rien, on est à 3 minutes de jeu. Et on a quelques marines, tu vois. Ça, c'est pas mal d'avoir des marines. Pardon, Et un attends, je vais peu. faire un petit altem. Ok. Ok, donc là, t'es bien, là. Déjà, là, donc, tu peux aplatir pour que ça passe. Je suis avec Zary, pour ceux qui se demandent, les potes, pour la Zilan. Jouer avec lui. Et là, tu vois, F2, à clic. Et là, mec, j'ai cliqué sur la mini carte. Hein. J'ai fait à clic de l'autre côté de la carte et je regarde même plus mon armée, tu vois. Ça Et va t'es en mode attaquer. juste eux, ils vont faire chier quoi, c'est ça? Eux, ils vont attaquer. Moi, je produis plus de baraques. Je continue Ouais, en gros, d'envoyer le des but c'est de marines. faire chier pendant que toi tu te développes quoi. Exactement. Mais en fait, je vais pas vraiment me développer. Je vais juste faire plus de bâtiments de production pour juste avoir plus d'unités, tu vois. Oui, voilà, c'est ça, oui, c'est. En fait, genre, j'adore ta volonté de vouloir prendre B2, mais pour l'instant, je pense, essayons juste d'utiliser les Non, ressources sur mais une c'était base. pas forcément ça, genre développer, genre recréer la même armée et les refaire chier si ça C'est ça. fait à l'infini quoi. Exactement. Pourquoi il y en a un qui. C'est pas de l'autre côté. Ouais, ça, c'est les petits problèmes de pathfinding Ah qui. ouais, ok, genre si il a été poussé. Ouais, du coup, il s'est dit c'est plus opti par là. À la Donc là, fin, il les re. casernes, tu les mets en contrôle mage 1, tu Ouais. double-cliques sur chacune. Exactement. Ok. Alors, moi, tu vois, elles sont en 3. Moi, mes raccourcis, ils sont Ok. comme ça. Et donc, là, tu vois, si j'appuie sur F2, hop, j'arrive sur mon armée. Je fais, ah, ok, bah, du coup, ça se passe pas mal. Et F2 pourquoi avec F2 tout. ça sélectionne pas ton armée qui est à la base aussi? Ah si! Il y en avait plus de l'autre côté de la carte, en fait. Ah ok, ça sélectionne le groupe où il y a le plus? En fait, non, ça envoie ta caméra sur là où il y en a le plus et ça sélectionne tout ce qu'il y a sur la carte. D'accord, donc là Et t'as regarde. cliqué donc les autres sont partis aussi. Ok. Ouais, et là, regarde, j'ai fait un clic droit avec toutes mes baraques. Je sais pas si ça se voit à l'écran. Non, ton écran. Bah, tu vois un truc qui clignote, tu vois. Mais en fait, là, mes casernes, dès qu'un marine sortira, Il y va. il va traverser direct la carte, tu vois. Comme ça, j'ai même plus à gérer ça. Et ça c'est le 6 machin là? 6 6 6 6 6 C'est-à-dire 6. Alors là, là je l'ai pas là. Ouais le Alors, non, 6 c'est bon. pool, non? Ah, non, C'est le non, truc pour aller hyper vite là, non? 6 pool, c'est ça, non? C'est genre mais. mat du berger quoi. En fait, ouais, mais le 6 pool, c'est en zerg. C'est juste en zerg. Ah. Parce que c'est la pool, c'est un bâtiment que tu vas produire à 6 de population. Et voilà. Et tu Ok. vois, ça, c'est bon. C'est une façon de faire pour avoir beaucoup d'unités très vite, quoi. C'est pas mal. Et Pas donc, mal. enfin, juste moi, en gros, petite question. Parce Ouais, vas-y. Ah, parce dis-toi qu'après, je vais bien. remettre mon titre en jeu, bien évidemment. Ouais. Contre un nouvel inconnu. Mais donc là, t'as par exemple, t'as 5 casernes. En gros, les casernes, c'est à l'infini, quoi. Enfin, genre, quand est-ce que tu. C'est quoi le mid-game, entre guillemets, tu vois? Genre, comment ça se passe le mid-game, entre guillemets? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a d'autres améliorations? Donc là, tu m'as montré le tank. Est-ce qu'il y a d'autres unités qui sont bien à avoir? Est-ce qu'il y a des trucs volants, par En exemple? vrai, il y a beaucoup de trucs très très bien à avoir, mais c'est en vrai, ça va être très compliqué pour toi d'aller les chercher. Ok, Genre d'accord. vraiment. Donc en Genre fait, le. moi, c'est du marine et du tankos, quoi. En vrai, si... le tank va te faire gagner contre les gens qui sont pas bons au jeu. Tu vois, on l'a vu tout à l'heure, le mec, il a couru dans les tanks, il a tout pris. Bon, tu vois, genre, je pense que Ouais, ça te permet de farmer du noob, quoi, le tank. si t'avais 50 heures de jeu, je te montrerais des trucs plus compliqués. Mais là, en l'occurrence. Si tu veux, je te fais une game rapide où j'essaye de développer un peu plus la tech et que tu vois un peu plus de Bah, choses différentes. je suis chaud là pour faire la game déjà de ce que tu m'as montré, Vas-y, let's parce go. que déjà il y a pas mal Vas-y, à let's go. assimiler. Et Hein. bah, c'est ça le truc, tu vois, c'est ça qui fait un petit peu Bah ouais, peur, non, mais entre guillemets, quoi. c'est d'autres questions, mais c'est top en tout cas comment tu montes ça. Ouais. Vas-y, Alors. let's go. Bah, alors, du coup, relance ta game de ladder, hein, j'ai envie de dire. Bah ouais, je vais tenter ça. Hein. On y Let's go. retourne, on y retourne. Et si, est-ce que tu peux bind comme les casernes les tanks? Parce que j'avoue que le sort des tanks, le W, c'est trop Ouais. chiant quand tu dois les remettre et. Eh ben ouais, tu peux, ouais. Est-ce que si tu fais par exemple F2, t'as toute l'armée, Ouais. du coup si tu fais W, ça compte pour juste les tanks? Alors non, parce que quand t'as toute ton armée dans un seul groupe, il y a une unité en spécifique qui va prendre la priorité sur le sort que tu peux activer. Donc Ah. en fait, Donc il y et a en un général. tank qui va se poser ou inversement quoi.
Non, même ça sera les marines qui auront la priorité en fait. Donc ce sera même pas les tanks, tu vois. Ah, ok, quand donc ouais, tu vas donc faire à deux. faut à tout prix quand j'ai des tanks que je les bind dans un groupe, quoi. Ouais, c'est très smart de vouloir faire ça. Ah, je suis. Oh, tu sais, c'est. Non, mais mec, t'as des bons feelings en vrai, c'est cool. Non, genre, mais j'aime bien. J'avoue que j'ai jamais joué à des RTS et tout, mais c'est plaisant, ouais, putain. et tu dis des trucs qui instantanément font sens et ça me fait plaisir. Bah écoute, je suis en même temps, je suis coaché par le meilleur, voilà, disons-le. Bah, ouais, c'est vrai. Allez, ça y retourne. Du Terran. Mais en fait, ouais, c'est ça, c'est toute la gestion des binds et tout, et ensuite. En fait, il faut savoir pianoter sur son clavier. Genre. Les APM sont très liés, tu vois. Au bout d'un moment, il y a quand même. Les APM, ça fait pas tout. Mais il y a quand même un moment où si tu cliques pas, ça ouais, va bah pas ouais, avancer. Ça si le va mec, pas avancer, fait 20, 20 actions pendant que t'en fais 10, il va Exactement. deux fois plus vite, quoi, voilà. Oh putain! Merci Mathéo pour le Prime pour le deuxième mois de sub. J'ai envie de jouer. Ah ouais, non, mais honnêtement, je sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui jouent pas. Mais j'avoue, comme le jeu est gratuit en plus, si ça vous chauffe. Ça se suce en cercle. Non, c'est ça, hein, c'est vraiment du. Ah, ça, c'est la bromance, hein, En boucle, là. Oh là là. Alors, je joue Brahma. J'ai jamais joué Zerg. Non, c'est Proto, c'est Zerg? Non, c'est un Zerg, c'est un Zerg. Donc, ça, c'est un petit peu le match-up historique. Donc, là, voilà. Tu vas. Ah, oh, oui. On est là! Il met son rallye point! Bien sûr! Je l'attends! Vas-y, il arrive! Oh, le deuxième SCV direct. Donc, là. Une fois qu'il est sorti, tu cliques direct sur le minerai avec ton CC aussi. J'ai oublié, c'est quoi déjà que je fais là? Caserne là, tu. Non, un supply. Pardon, panique. Oh la panique. Oh, il y a eu petite panique là. Oh le pro. Bon, ok, le wall sera pas bon, le mur sera ouais, raté. Ouais, j'ai vu, full panique, c'est pas grave. Le mur sera raté, mais il y a eu une volonté, ça me plaît. Vas-y, envoie bien des SCV, produit des récolteurs sur ton. Je panique. Sur ton command center. Ah, ça y est, j'ai lui, je te conseille de faire un contrôle 2. Contrôle 2 avec ton. Non, lui réponds pas, non! Mais ça, c'est les strats, ça! Oh là là, mais mec. Quoi? Lui, il est en train de te faire un petit holy. Lui, à mon avis, il est en train d'essayer de t'arnaquer. Ah ouais? Ah, il te parle, il te distrait et il va te niquer, tu vois. Genre, c'est aussi simple que ça. Tu penses? Ah, c'est les strats de 2010, ça, mec. Regarde, dans le chat, il y en a, ils l'ont mis from, il va te rush, tu vois, les gens, ils savent. Ok. Donc, du coup, là, tu vas me faire ouais, une raffinerie, c'est très très bien, ça. Ok. Comment je fais pour me protéger? Bah, tu attends. Pour l'instant, t'as pas les infos, donc. Where in FR? Non, mais il est fou, lui, putain! Ah, il est là, il farm du nouveau, quoi! Ouais, non, lui, il est en train de t'arnaquer, lui. Alors, je fais quoi après le truc, donc là, là? Caserne? Rajoute une baraque. Ok. Et alors, du coup, une info, il faut faire gaffe à pas mettre plein de SCV dans ton. Ouais, là, t'as un petit mur, là. T'en avais un. Comble le trou. Ah, mais je peux faire après? Ah ok, pardon, je pense j'avais peur que ça annule le truc ou... Ah non, pas du tout, si tu... En fait, c'est... Petite panique. Tu peux enchaîner les ordres, entre guillemets. Ok. Donc du coup, là, vas-y, il faut que tu m'envoies deux baraques de plus, là. Faut que tu me fasses de la baraque. Et je fais du S... Est-ce que mon GDSI, les mecs, là, font des trucs en plus ou pas? Non, non, pour l'instant, fais-moi deux baraques. Moi, je veux que tu me fasses deux baraques, parce que le but, c'est d'avoir des marines. Voilà. Les deux casernes, une autre. J'ai envoyé un SCV en plus. Comment ça? Ah oui. En construction, quoi. Ouais, mais je veux que tu me fasses une deuxième caserne, voilà, c'est ça. Ouais, c'est oui, c'est pour ça, j'ai eu. Et là, maintenant, fais-moi un réacteur avec ta première baraque. Oh, regarde, y a un sac poubelle volant qui va arriver chez toi. Ah, il a reculé. Il est peut-être pas si nul, hein, le mec. Hein. Il est peut-être pas si nul. Oh putain, j'ai fait de la merde. Non, 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 c'est très bien, c'est très bien. Ok, j'ai. Non, c'est très bien. Ok. Donc, du coup, là, prends ton centre de commandement et transforme-le en orbital. Voilà, R. Ok, parfait. Bientôt du marine, là. Ouais. Ensuite Donc là, dès que la caserne elle va se terminer, tu me fais un centre technique, ok? Centre technique qui met bien. J'ai paniqué. Alors le centre technique c'est sur la caserne directement. Oh merde, je t'ai dit centre technique, laboratoire technique. Oh, bah, ah tu ok. Vois, je te dis des conneries mec. C'est pas grave. Mal avec les noms. Et là sur la deuxième baraque, la troisième, tu peux faire un réacteur directement aussi. Ok. Je refais une petite maison, c'est jamais. Ouais, une petite maison, ça fait pas de mal. Le marine, direct, boum. Voilà, et là, mets bien tes trois baraques dans un groupe de contrôle. Ouais. Ok. Voilà. Il y a 18 sur 16 là. C'est très bien. Usine? Et non, t'en produis plus. Non, tu m'envoies un Steam Pack. Tu envoies Steam avec ton technique sur la baraque. Plus lent. Non, je l'ai plus là. Voilà, c'est ça. Si, il était là. Voilà, celui-là. Celui du milieu. Ah, stimulant, putain, j'avais oublié. Il faut rien là, il faut rien. Une autre caserne? Allez, une autre caserne, des marines, mais bien. Donc là maintenant c'est simple, tu vas faire des marines. Oh, il m'attaque! Il t'attaque! Au secours! Ce chien! Ah ouais, bah là ça c'est le wall raté Domingo ça. C'est loose? Ah ouais, je pense que c'est loose ça.
GG. Oh le bâtard. Ouais bah lui t'as chié dessus mec hein. Ah il a été disrespectful, on peut le dire, on peut le dire. GG comme ça, ça veut dire sort de ma game. C'est un peu Ah il a pas été tendre quoi tu vois, on va pas se mentir hein. Ah tu peux peut-être fermer le wall là, il te troll un peu. A mon avis c'est un FR. Je me sens humilié. Non c'est un français qui se fout de ta gueule je pense. Je me sens. Non non, Domi tu lâches rien, tu me fermes ce wall. Mets un bâtiment dans le trou, fais un truc. Ferme le wall. Domi. Je suis en train. Voilà mais bon parfait, voilà une baraque, très bien. Ferme le wall, vite, oui. Envoie tes marines près du wall. Allez faut que tu le défendes là. Faut que tu défendes le mur, là c'est la night watch là. Allez, let's go. Ok j'y retourne. Oh il t'a slash dance. Allez les airlines ils ont twisté. C'est une grosse merde ou quoi là? Fait 10 ans il joue au jeu, il me BM. On va le fumer, dis-moi des trucs. Fais des marines, fais que des marines. Full marine. Un peu WSS là. Un peu des CV. Ouais, CV, et des CV, voilà. CV. C'est aussi simple qu'il te faut. Full CV, ça... un peu, allez là-bas aussi, allez un peu là-bas, allez, il fait quoi là? Allez, tu défends le mur là. Là, tu défends le mur. Comme jamais là. Ah là, mec, tu te laisses plus faire. Hein. Il peut passer dans notre endroit, non? Non, non, il peut passer que par là. Ok, là, avec ton CC, mec, ouais, VCS, envoie des mules. Envoie des mules. Tu peux envoyer 3 mules, ça va sauver ta game. Genre, en vrai, c'est le truc Forteran. Donc, envoie des mules. Tu cliques direct sur le minerai avec. Ok, c'est fait. Voilà. Il y en a une qui se tripote. La première que t'as envoyé le tripote, mais la moins bien sur le mur. C'est bon. Let's go. Donc là, produit bien des marines. Produit bien des marines, non-stop. Et tu fais plus que ça. Mets les 5 les racks. Deuxième raffinerie. Non, on s'en fout des raffineries. Là, tu vas faire que des marines, tu vas attaquer le bitmap et on va voir si tu gagnes. Il attaque. Okay. J'entends. Ok. Non, c'est mon gars, putain. Lui, c'est le gars. Lui, c'est Jon Snow. Il est solo là. Il regarde. Eh, le sauvageon. Qu'est-ce que tu vas faire? Je pense qu'il est nick aussi ou Bah lui tant pis, on s'en fout, lui il est mort. Ah y'a des... Oh bah là t'es mal. Là faut que tu cliques. Recule. Non. Ok bah là t'as découvert les Banelings. C'est pas mal. Il danse, mais quelle vie. Mais quelle vie. Vas-y tu peux refermer le wall, il veut pas finir la game. En vrai il va la paumer. Faut que tu fasses un prenne un SCV, que tu fasses un clic droit sur la baraque aussi pour la réparer, parce que là elle brûle. Elle va brûler down. Ah, oh tu l'as sauvé. Let's go. Alors ferme-moi le wall avec un autre SCV, renvoie bien un produit des récolteurs, produit plein de récolteurs. Putain. Et alors regarde, surtout. Ah je vais devoir faire une B2 mais je suis mal. Non, pas de B2, laisse tomber. Sur le laboratoire technique, tu peux faire le bouclier. Alors fais-moi le bouclier. Ah ouais le boubou, j'ai pas ce qu'il faut là. Je suis en sous-effectif. Donc en fait là t'as découvert, je sais pas si t'as vu, il y avait des petites boules vertes. Et les boules vertes elles font des dégâts de zone qui explosent tes marines tout simplement. Oh putain. Si je fais une tour. Oh mais quel enculé. On s'en fout des tours. Allez produit des marines. Voilà là il y a Night. John Snow il s'est fait attraper là. Ouais John Je crois que t'as pas envoyé ton bouclier mon bro. Non j'avais pas les 100 minerais putain merde. Bah tu peux le faire maintenant là. Alors garde ton minerai, attends que ça arrive. Ouais. Faut le faire. Allez bon, allez. J'espère. Là, je vois ta tête, hein. Je vois que t'es pas confiant. Je suis. T'es en train de te faire BM. Je suis sodomisé à sec, quoi. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment agir. Le mec a toujours gagné et puis voilà, bon, il faut meilleur. Et là, et BM, si je mets deux petites unités comme ça, je pense que ça va être bien mieux. Et c'est beaucoup mieux. Et comme ça, s'ils explosent ou quoi, et j'en mets un peu là qui pourront pas taper, je les mets comme ça ici. T'imagines si je te disais que c'était moi le mec en face là? Non. Non, je déconne, c'est pas moi. Je t'en aurais un peu voulu quand même. Ça va faire la diff. Split d'unité. Ah ouais, c'était ça la chanson avec Kemar et tout, putain. Ouais, bah split d'unité en fait, c'est une question de dignité parce que sinon tu te fais un peu baiser comme ça t'est arrivé tout à l'heure. Putain. Est-ce que t'as envie d'aller voir un peu comment ça se passe chez lui? Pour que je te dise où t'en es dans ta game. Ouais. Je sens pas assez de minerai toute ma life là. Donc prends ton command center et fais un scan chez lui comme tu faisais tout à l'heure. Ah mais j'ai des villageois qui se sont carrément engagés avec l'armée, putain c'est pas beau ça. Command center, boum petit senseur. Ouais, fais ça chez lui. Ah lui il est en charbon, lui c'est les putain. Il fait des trucs. Il y a un truc chez Watt. Ah ouais. Il fait des dragons. Ouais, comment on compte les dragons? Oh les dragons ils ont l'air forts. Les marines c'est pas mal contre les dragons mais là c'est chaud quand même. Putain. J'ai envie de l'insulter. Putain. Le putain de détresse. J'ai envie de l'insulter, gros. Bah là, tu peux dire zergopé et quitter, hein. Tu peux faire ça, hein, mais... Il va me pisser dessus, là, j'ai aucune chance. Ah là, y a pas moyen que tu la gagnes. Hein. Vraiment? Ah non, je crois pas.
Mais t'inquiète, je suis comme toi, un genre de game, je reste dedans juste pour. Donc du coup, regarde, par exemple. Ah, j'ai envie de me battre quand même, tu sais, pour vraiment. Donc là, regarde, comme t'as vu, il y avait des dragons, comme tu disais. Ouais. Et ben, tu vas prendre un récolteur et tu vas construire une tourelle au milieu de ta ligne de minerai, en fait. Comme ça, ta tourelle, elle va défendre. Il rattaque, il rattaque, il rattaque. Enfuyez-vous ! À couvert ! Lance-missile, tourelle lance-missile. Ouais, tourelle lance-missile dans la ligne de minerai. Mec, c'est un viewer qui troll 100% le mec en face, genre. Il te tease, tu vois, il te tease. Foutre qui me tease, il va mourir. Bah dis-lui d'aller se faire foutre. Est-ce que tu veux essayer de traverser la carte? Ouais, c'est ce que j'ai, exactement ce que j'allais faire, mec. Bah mec, vas-y. F2, donc R, je sais plus quelle loi, W pour ouvrir le mur. Et là, t'y vas, mec, t'y vas. Et alors regarde, t'as un spell en W, c'est le Steam Pack. Tu l'utiliseras au moment où tu te battras, ok? T'appuieras une fois, juste une fois. Parce qu'en fait, ça va consommer de la vie à tes marines, mais ils vont courir et taper plus vite. Donc... Ouais, donc top, quoi. Donc top, tu vois. Elle produit des marines pendant ce temps-là, si jamais, peut-être que les renforts feront la diff, et il te manque des maisons. Il manque des maisons. Il manque tout, j'ai l'impression. L'impression que... Ici... Ici, tout le monde s'est fait violer, ici... Oh, mais non, F2, F2 ! Allez, faut... On traverse, j'ai pas assez traversé, là. Allez. Bien vu sur le chat, je referme le mur. Y'a un mec qui a dit Bending Trap sur la rampe sans... Là, là, lui, il prend ! Oh, il va vite. Oh, les gars, vous êtes des héros! C'est vous ou rien, les gars! Allez, tu appuieras une fois sur W avant la fight et après tu fais tes clics. Allez, allez! Ah, putain, j'ai bien appuyé sur W, hein. Ça n'a pas suffi. Ouais, bah là, mec. Ouais, ouais, GG noob. Zerg. F10C si tu veux quitter, ouais, voilà. Voilà, quelque chose de classique. Ta tête, elle est tellement bonne, mec. Quelque chose de classique au final qu'on lui a proposé. Ah mais voilà. Lui Ah il avait 40 000, ah, il a farmé hein. Ouais, 18 non, 000 ressources. Il a 300 d'APM. Non, il a fait des clics dans le vent. Ouais, il m'a chuchoté, avis... ok je te lâche 10 balles de dons. Ah, c'était un viewer. Ah je te dis, il était au courant de ce qui se passait hein. Eh, c'est le sub, eh, tu offres des subs aux gens sur le chat. Brahma. Fais pas un don, offre des subs aux gens. T'offres 10 subs. On tente. 10 euros qui devient 10 subs, c'est bien tenté, ouais. T'as fait quoi comme école déjà? Ah oui, ça me rappelle ça. Oui, commerce, voilà, c'est ça, tu l'as. On sait jamais. On va voir s'il a des couilles. Ou si c'est seulement un streamer. Mais il y a JHVR89 qui a lâché un sub tier 3. Merci beaucoup, Baboon, le Prime. Sangor, le 5 mois. The Witcher, 23 mois. 2 mois pour Arrange. Merci à tous. Bon, c'était dur. Après, j'ai quand même une. Vous avez fait mieux que votre moyenne. Ah, je me suis déménagé. Non, mais là, c'était... Mais lui, il est quoi, tu vois, par exemple? Voir le profil. Il est diamant. Ah, tu peux tomber en deuxième game contre un diamant. Non, en fait, il a été diamant. Il a été diamant. Ah, ok. Voilà. À mon avis, lui, il joue plus au jeu, mais il a été diamant. Ouais, il a relancé le... Bah, il a snipé le streamer, quoi, tu vois. Oh, ouais, faites pas ça, à nouveau. Après, j'avais fait un mauvais mur, quand même. Ouais, ton mur était pas fou. Bon, mais du coup, faut bien le mettre à la limite... Parce qu'en fait, sinon, si tu le mets un peu trop loin, il y a la casse qui rentre pas. C'est ça, donc exactement. On est d'accord qu'il fallait le plus loin possible contre un mur sans qu'il y ait la casse qui rentre pas. Exactement. En fait, tu colles dans un coin et ensuite, avec trois maisons, en fait, tu peux fermer, tu vois. Donc, mais ça, bon, faut apprendre. Caserne, trois maisons. Soit tu mets trois maisons, soit tu mets deux maisons, une caserne. Ok. C'est les deux options. Ok. Ah, le truc là, des airs qui te détruit. Joue contre ça... un bot pour voir les mécaniques. Ah non, mais gros. Ah non, mais toi, tu viens d'arriver, Vince. Ah non, mais les bots, on a farmé 2-3 bots, puis j'ai directement farmé un mec, là. Mais mais ensuite, le souci, c'est que là, le mec était hors de ma portée. Le gars que j'avais battu, il a été silver. Bon, il a su jouer un moment, mais là... pense que pour des games de début, tu gères vraiment bien. Faudrait juste que tu traînes, ça va aller tout seul ensuite. Bah, en tout cas, j'ai plus de 4000, ça fait plaisir, les potes. Merci pour ce premier petit first time. C'est vrai que j'avais jamais joué à StarCraft, et honnêtement, je prends beaucoup de plaisir. Merci à Coca aussi, encore une fois, d'être là, parce que... Ah, mec, je m'abuse bien. J'en refais une, parce que celle-là, elle était cheatée. On attend, hein, Brahma, si jamais elle est sub, hein, c'est... Si tu veux, ce qu'on peut faire après, c'est partir en 2 contre 2, hein. Ah, de ouf. On lance du 2 contre 2. Ah, ouais, après, on fait ça. J'en refais juste une, c'est pour essayer de bien comprendre ce que tu m'as dit, que j'ai mon propre truc, comme ça, ensuite, quand on sera en 2 contre 2... Vas-y, par contre, je vais enlever le pull, hein, si tu m'as... Parce que, bon... Ah, bah, tant qu'il froid, il va rentrer en forme finale. Voilà, c'est ça. Ne dites pas que... Oh putain. On découvre le jeu en même temps que toi, c'est cool. Bah voilà, ça qui est bien, c'est qu'il y a des gens qui ont kiffé, soit qui ont beaucoup joué à StarCraft, soit qui jouent encore, soit qui ont jamais joué. Du coup, c'est un peu le mélange de tout, quoi. Parce que le multi est ultra répétitif. Bah, c'est tu viens faire des BO. Alors... C'est comme moi, c'est Terran, mais il a un skin. En fait, il est Terran, il est Silver,
il est et puis il a un petit skill. Ok. Joue contre un silver. Donc là, mec, tu fais ce que je t'ai dit. Plein de marines, en théorie, ça devrait passer. C'est où le trou? Enfin, je pense... Alors, contre Terran, mec, t'as pas besoin de faire un mur. Il me parle. Tu lui dis juste j'ai la chef et c'est tout. Ok. Genre, manner, quoi. Alors, t'as pas besoin de... Je vais lui faire croire que je le rush. Contre Terran, t'as pas besoin de faire... t'as pas besoin de faire un mur contre Terran, parce qu'en fait, les Terran, ils ont des trucs qui tirent. Donc, ton mur, il va se faire tirer, tu pourras pas le défendre. Ok. Mais je vois bien que tu t'en bats les couilles, parce que tu le fais quand même, ton mur, donc c'est cool. Ouais, c'est vrai. Désolé. Putain, non, il est français en plus. Caserne direct, mais je peux la créer direct. Non, faut que t'attendes la fin de ton... ah, c'est ça qui débloque, bien sûr. Exactement. bien sûr, je suis bête. Allez, on sort. Ah, y'a plus rien, le là. Le mec, il voit Domingo, et t'sais... Bon, marrant. Bah, allez, je fais quand même le mur. Allez, bah si tu veux quand même le faire. Hein. Raffinerie. Allez, raffinerie, fin de caserne. Raffinerie tout de suite. Oui, c'est vrai, raffinerie sur un autre mec qui fait ça. Ouais, exactement. Pendant que l'autre fait la caserne. C'est ça. Par contre, faut que t'évites de mettre plein de SCV, enfin de remplir tes files d'attente comme ça dans tes bâtiments. En fait, ça dépense quand même ta thune. Donc en fait, c'est de la thune qui stocke pour dépenser plus tard. Ah bah il me rush à nouveau. Oh non. Non, il me scoot. Moi, je scoot jamais, moi. Non, on s'en fout. Trop compliqué. Ça fait deux trucs à gérer en même temps et je pense qu'on veut éviter ça pour l'instant. Oh là, oh, y a plein d'abonnements qui sont... Oh là là. Let's go. Ah, c'est Brava qui a offert plein de subs. Mais il me tape. Ah bah là, t'es mal. Là. Ok. Oh, un clic dessus, voilà. Oh, il va le terminer. Oh, il a mis le dernier coup. Pas les couilles. Alors, clique un coup sur Tarax, voilà, pour la finir. Fais un réacteur. Je fais juste après. Attendez, Brahma qui a lâché les 10 subs. Eh, ça va. Brahma le bro. Ah, ça va, Brahma le bro. Brahma, on a eu peur. Brahma, on a insulté une moitié de ta famille, quand même, je te le dis. je dois maintenant t'en parler. Mais quand même, le bro. Allez, balance-moi des casernes, là, plein de casernes. Un supply, c'est très bien. Annule-moi le marine en cours, ouais, et fais un réacteur, mon pote. Je peux pas faire réacteur. Ah, il faut que t'annules ce qui est en cours de production, putain, en fait. Putain de merde. Ah, j'ai annulé. Noob. Oh, c'était terriblement nul, ça. J'ai annulé un mec qui était presque fini. Non, t'avais le temps. T'inquiète, c'était le bon move. C'était le bon move. Allez, balance-moi les 4 casernes, là. Là, je veux qu'il y ait 4 casernes dans la barre de prod, là. J'en vois qu'une pour l'instant. Ce n'est pas suffisant, Domi. Ouais, je suis pas au niveau, là. Et t'inquiète, rappelle-toi, tu peux le faire avec plusieurs dans ton carré de sélection en même temps. Si t'as 3 SCV, tu fais 3 fois le raccourci et puis ça va venir, quoi. Tu vois, tu vas. Voilà, t'en as 2. Voilà, 4 casernes. Voilà, très bien. Allez, tu les mets tous dans un groupe de contrôle. Non, je panique. Ok. Allez, ton petit groupe de contrôle. Je panique quand même. Ouais, c'est vrai que tu paniques là. Ouais, je panique là, je sais pas ce qui se passe. Et balance-moi des marines. Fais des petites maisons aussi. Ok, c'est en cours. Et ton orbital. Ok, parfait, tout est en cours. Hein. Là, donc sur la Drax qui vient de se terminer, sur la baraque qui vient de se terminer, tu peux faire un tech lab, un laboratoire technique. Avec la caserne, voilà. Ça. Et là, tu me fais full marine, que des marines. Sur le reste sur le reste, tu fais des marines. Tu fais des marines. Ok. Voilà, allez, du coup, là, sur la Rax, sur l'arboratoire technique... Bientôt B2, non? Non, on va pas le faire. Sur le laboratoire technique, envoie-moi le bouclier. On va le faire comme ça plutôt, on va faire le bouclier plutôt que le steam. Comme ça, tu vas avoir plus de points de vie sur tes marines. Allez, Domi. Ouais, j'y vais, là, je... Allez. Et ah, là, tu peux traverser la carte. F2 et traverse la carte. J'y vais, là? Ah ouais, vas-y. Tant qu'il est pas au courant de ce qui se passe, le mec. Ouais. Tu vois, et tu continues de produire et t'iras avec un plus gros lot d'armées après. Mais là, déjà, tu vas commencer à... Tu vois, un petit peu aller le taquiner, on va dire. Ok, vas-y, tape ça. De quoi? Allez, go. Non, t'inquiète, on s'en fout. Il a fait une maison près de chez moi, là, non? Ouais, il a fait une maison pour t'empêcher de prendre ta deuxième base, mais tu comptes pas la prendre. Donc il a pas compris. Produit des marines, mec. Mais quoi qu'il arrive, je vais taper avec les marines qui sont chez moi. C'est ça, plus. Et produit plein de marines. Il faut vraiment que tu sois en production non-stop. Genre maison et marine. C'est les deux trucs que tu fais en permanence. Oh, il est vert pas mal, hein. Il charbonne aussi, lui, hein. En vrai, on va voir ce qu'il a. Je sais pas, j'ai pas vu, j'ai cliqué. Donc, va sur ton armée là. Ok, il y a un bunker. Il est vide. Clique le bunker. Oh, il y a un coup de tank. Éloigne-toi un petit peu. Voilà, éloigne-toi. Non, cours pas dans le tank. C'est quoi le tank? C'est un tank ça? Ouais, il y a un tank qui est en train de te mettre. En fait, il est en haut de la rampe. Tu le vois pas?
Mais il te met un méga tarot. Ah fuck, il avait 5 HP. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, produit des marines. Moi je veux que tu produis des marines, que tu me fasses des maisons là. Je vois que t'es à 47 depuis tout à l'heure. Fais des maisons mon pote. Voilà. J'y retourne. Allez, j'y retourne. Let's go. Oh putain. Merci, bienvenue au Lixai. Attends, je regarderai après les subs là, c'est compliqué. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas une caserne qui branle rien là? Non, je croyais. Non, non, il y a tout qui prod. Celle-là, elle est lose anyway, y'en a un qui dit, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout ça. J'avoue qu'il faut pas que tu sois. En fait. Oh, j'ai fait nope! C'est pas grave, reclique sur le minerai. One tap. Voilà, c'est tout. Ok. Mais au niveau de ta gestion des marines, ouais. Tout le temps cliquer, ça t'apporte pas forcément quelque chose. Des fois, faut juste à cliquer et laisser faire, tu vois. Ah, oh, c'est vrai que ça les fume bien. Là, j'y vais pas. Y'a un tank, hein. Faut que je les rush. Donc en fait, là. J'ai vu le tank! T'as vu le tank, vas-y. Mais tu peux pas le taper en fait, s'il est en haut. Mais je sais pas voilà. Où il est, mais. En fait, s'il est en haut, faut que tu chopes la vision. Mais j'ai essayé, gros. Oh, je cours. Ouais, cours, cours, cours. Cours, reproduis des marines chez toi, recommence. Oh putain. F2. Ah, mais je dois scan à ce moment. C'est là où tu dois scan, c'est ce que. Voilà. Et si tu scans, en fait, y'a qu'un tank. Si tu tues le tank, il a plus rien, le mec. Hein. Il est tout. Je B2 ou pas? Non, non, non. Va avec. Limite, prends les SCV et vas-y avec tout, mec. Tu penses? Ah ouais, mec, sur là, je pense que tu peux gagner si tu vas maintenant. Mais il faut que tu ailles, tu vois. Il faut que tu bourres parce que sinon la game elle va être très compliquée. Parce qu'il a plus de technologie que toi, tu vois. Donc si tu prends tous tes SCV, tu fais un grand carré de sélection. T'y vas, mon bro. Allez, vas-y. On y va. Ça s'appelle le all-in. C'est un tapis, c'est au poker, ça y part. Allez, go. J'y vais. Allez, mec. Oh putain. Avec tout. T'es SCV, prends bien tes SCV et fais un clic à travers un T-click, tu sais, genre à clic. Avec tous tes SCV, t'es en train de traverser la carte. Et tu le fais au fond de sa base. Tout au fond de sa base. Y va. Allez, mon bro. Allez. Et prépare ton scan. Fais contrôle 2 avec ton command center. Voilà, prends tout ça. Prends tout ça. Prends tout ça. Allez, vas-y, t'y vas. Un clic. Un clic bien vénère. Un clic bien profond. Non, lâche. Ouais. Scan chez lui. Let's go. Allez, t'y vas. Un clic. J'y vais. Vas-y, un clic, un clic, un clic. Oh non, tu cliques trop, mec. Là, tu cliques trop. Là, tu cliques trop. Oh. J'acclique. Non, en fait, tu bouges et tu racliques, et tu bouges et tu racliques, mais genre là, il suffisait juste d'y aller, quoi. Ah, c'est pas passé, Domi. Hein. J'ai un clic. En fait... Mais ils sont 20 000 et il y a un tank. Je peux pas passer. Alors, en fait, c'était chaud, mais t'aurais peut-être pu. Toi, dès là, on prend... Regarde-les. Tu les as emmenés à la mort, ces gars. Un clic au sol, pas sur les unités. Ouais, c'est ça en fait. C'est que, ah, je clique sur les mecs, du coup ça fait des focus de merde. Et en fait, du coup, tes SCVs essayaient de taper un medivac, donc un transport, et ils pouvaient pas quoi. Il est seul. Ils sont sur ta conscience, coca. Il est seul. Ouais, t'as un de population et c'est lui. Hein. Mais il va y aller. Allez, go. Venger tous les autres. Tous ses frères. Il était resté à la maison pour assurer la survie de l'humanité. Ah, t'inquiète, il y a une belle humanité en face aussi. Hein, vous me dites t'es. En fait, toi, c'est technique. Ah ouais, non, mais je fais du technique. Hein. J'envoie du gros technique, moi. Mais c'est juste que tu fais trop technique. Faut ouais, ouais, non, mais je me prends pour un PGM, je pense. Ouais. Alors que bon. J'ai l'impression. Ouais, ouais, non, mais. Non, c'est partagé, c'est partagé. Hein. Que la souris, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais faut cliquer au sol. Mais du coup, ouais, en fait, je sais pas. Comme il y a les tanks. Oh. Le tue pas. Oh. Il arrive pas à le tuer? À mon avis, ça... non, mais c'est un viewer qui te respecte, hein, genre. Oh, il me respecte. Bah, vas-y, clique-le, hein, t'es clique. Vas-y, bute-lui un tank avec, hein, peut-être ça se tente. Je fais une caserne. Je fais une caserne chez lui. Le mastermind. Le proxy. Il est si intelligent. Oh là là. Oh, bon, c'est... Non, c'était dur, c'était dur. Dites-moi ça, on va partir en 2 contre 2. Vas-y, vas-y, on part en 2v2. Non, mais. My bad, j'ai cliqué, mais au moins je sais, maintenant je vais cliquer au sol. Eh, merci, Brahma, en tout cas, ça, il a offert 10 subs. Comme quoi il a porté ses couilles. Non mais lui il est resté plus défensif quoi. Lui il attendait à la maison ouais. Exactement. Ah lui aussi hein, il a fait le double de ce que j'ai produit en gros. 85 d'APM. Eh 72 d'APM sur celle-là, on a essayé. C'est que tu produis des marines, ça part. Hein. J'ai eu l'impression d'envoyer quand même. Qu'est-ce qui a été l'erreur là selon toi, de mon côté? Ah en j'ai vrai, pas dit GG, pardon, oui c'est vrai. Il y a un moment comment ça s'appelle? Il y a un moment, t'aurais pu cliquer correctement, mais en fait, si t'avais eu ton scan, et c'est pour ça que c'est important, je pense que ton forum, là, ton bâtiment de principal, il faut que tu le mettes dans un groupe de contrôle, absolument. Ok.
Oui, c'est vrai, j'ai pas fait, ça c'est pas un réflexe que j'ai là. Parce qu'en fait, à un moment, t'avais... le mec il avait deux marines et il avait un tank en haut. Ouais, alors que si je scannais le tank et ça tombe vite un tank? En vrai, mec, t'avais 15 marines, le truc il serait tombé en 2 secondes. Ok, d'accord. Genre vraiment. Et il aurait tiré une fois et tu l'aurais tué derrière. Ok. Il aurait gun down. Donc voilà. Invitation. Le chef là, du groupe peut lancer. C'est bon, j'ai mis Terran. On peut être deux Terran? Ouais, moi je me suis mis en aléatoire, comme ça, ça fait varier un peu. Mais Oh, on profite, hein. Oh, c'est bah que ouais. Du régal ici, c'est un petit peu de zerg, un petit peu de... On montre un peu tout aux viewers, tu vois. C'est beau, c'est beau. Il y a 4000 personnes qui découvrent avec toi, on va quand même on va montrer un peu de tout, quoi. Faut que tu testes toutes les classes pour trouver ton style de jeu. Ouais, j'imagine, j'imagine. Mais Bah j'ai testé Protoss. En vrai, Protoss, ça a l'air propre. Le mage, tu spammes les... Tu spammes les pylônes, là, et tout. Et ouais. Il en pose plein et tout. Ça c'est pas mal, ça j'avoue que ça peut peut-être... Et ensuite tu TP quoi. Et ça a l'air d'être un peu proto sympa parce que ça a l'air un peu pupute. Mais en même temps, Terran c'est pas mal aussi quoi. Bah Terran c'est stylé mec, hein, de toute façon. Les tanks et les obus quoi. Ah, mais on va voir sur celle-là, parce que là j'avoue qu'en plus, j'ai pas vu quel niveau il avait la deuxième mais... Voilà c'est deux zergs en face, ok. Donc ils vont rush, donc le donc, wall. Moi, je vais te défendre et toi tu vas faire le taf, ok. T'es quoi toi? C'est pas encore? Je sais pas encore. Ah oui, il le voit là que t'as des couilles du coup, direct quoi. Il voit que t'as fait aléatoire. Il voit mon cadre master aussi, donc il chie un peu dessus à mon avis. Tu vois. Oh là là, mais quel crack. Les mecs ils sont là genre, ah ouais, ok, d'accord. Tu vois, c'est un peu l'insigne de la grosse bite, on appelle ça. Tu m'étonnes. Bon sinon j'ai pris beaucoup de follow sur Twitter, ça fait très plaisir les mecs. Hein. Merci. Allez, Coca c'est le meilleur, allez le follow les potos. En plus, il a un, je vous le dis, il a un pied droit au foot. Ah bah il casse des poignets avec un. Hein, c'est vrai putain. C'est vrai. Tu sais que t'es la première personne à qui j'ai parlé après cette séquence en disant pourtant c'était quand même une belle frappe. Oui, c'est vrai, putain. Oh, Binet il m'en veut pas. Oh, Binet qui était au goal et une frappe sur pute. C'est vrai, putain. T'es venu me voir en mode ah, je suis quand même bien. Bon, belle frappe de mon côté, quoi. Quel enfoiré. Elle partait bien. Mais t'inquiète, on a joué à Smash, il y a eu vengeance, hein, il m'a éclaté. Donc voilà, y a plus de problème. Putain, là je suis déjà en raffinerie caserne là. Ah bah, pas assez de VCS. Dommage. Non. T'as combien de pop là? 16. Ah, tu vois, moi aussi. Donc c'est pareil. Putain. Ouais, mec, t'es dedans là. Je suis master, je suis. Mais je pense que t'es chez toi sur SC2 en fait. Ouais, là, je suis à la maison. Hein. Juste dommage que t'aies découvert ça si tard. Quoi. Et bon, ok. On se laisse pas faire. Eh, hein. Hey, ton wall, il a l'air pas mal là. Bah ouais, je crois qu'il bloque tout. Tu m'as mis un petit wall sympa là, quoi. Ouais, je crois. À confirmer, mais... Il y a beaucoup de satisfaction dans cette voix, j'aime. Ouais. Ce genre de... Bon, lui, il va enchaîner de la caserne après lui. Moi, je suis tombé Protoss, mon bro. Lui, il va faire une station orbitale. Et là, je fais du marine. Hop, lui, il fait ça. Lui, je vais le mettre en mage 2. Lui, je vais le mettre en mage 1. Et là, bah, je les regarde farmer, quoi. Ah, tu te crois belle, hein. Et ensuite, peut-être... Là, je ferai un labo technique. Ouais, peut-être que lui, il fasse des petites maisons. Voilà. Parfait. En tout cas, Xav, il a l'air de se donner à l'entraînement. Ouais, mais chauffez-le aussi, hein, parce que putain, je me trouve avec une poubelle. Il traîne pas, Xavi. Si. Oh, il y a un mec là. Ouais, ça, c'est la maison Zerg en fait, lui. Il bouge. Ah ouais, il peut nous attaquer, genre... Bah, il attaque pas, du coup, parce que c'est une maison, mais ça lui permet de prendre des infos, en fait. Ça fonctionne comme ça, en Zerg. Et tu peux l'attaquer avec tes marines, hein. Tes marines, ils tirent en l'air. Réacteur en premier ou laboratoire technique? D'abord réacteur, et ensuite laboratoire technique. Le réacteur est très long à faire. Ok. Ah, je prod, hein. Ah, c'est difficile de plus prod à l'heure actuelle, quoi, pour tout te dire. Ah ouais. Attends, tu scoutes, tu veux, t'as besoin d'un scan? Non, t'inquiète mon bro, je gère ça. Ok, là je sais pas trop quoi faire, tu vois. Eh ben, plus de baraques, hein. J'en vois que deux, j'en vois que trois, t'es censé en avoir cinq là. Ah ouais. Ok, donc en face, mec, ça a pris des bases. Ça joue très économique, hein. Très 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 économique, même. Ok. Attaquer, ok, ils font le taf. Ils sont pas... Pas trop au courant de comment ça se passe, je crois. Ils sont nazes? Ah ouais, là, il a pas compris que c'est moi qui faisais la loi, là. Ah ouais, mais du coup, c'est nul, putain. Pourquoi je tombe contre des diamants quand je suis solo, moi? Alors que là, les diamants, je suis sûr, deux diamants, on peut les péter, hein. Ah, mais mec, easy. Ok, là, ils sont tous le taf. Il prod pas, lui. Réacteur sur lui.
Et lui, il y a le laboratoire technique et je fais rien. Un réacteur, c'est quoi? Ah bah oui, il peut en faire plusieurs. Voilà, ok. Lui, je le rajoute à eux, et lui, je l'envoie faire des petits bails. Petite maison. Lui, il va les farm. Et lui, je le rajoute aussi. Et ils vont farmer un peu, hein, ils se branlent. Hein. Réacteur, il fait rien. Lui, il fait le labo technique. Ah, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il fait des petites maisons, du coup. Je vais faire un centre technique. Tour de détection. Bunker. T'en sors, mon gros? Ouais. Je fais une usine. C'est important, ça. Pour faire des tanks. Ouais. Je fais une deuxième raffinerie. Ouais, ça peut être bien. J'y vais, alors. J'ai trop de casernes par rapport à mon nombre de minerais. Ah, t'as trop de casernes, t'arrives pas à remplir ta file de prod? Si, ouais, pas loin. Je vais attaquer, on attaque? Allez. Attends, moi j'ai une grosse unité qui est en production, on va l'attendre si tu veux bien. Vas-y. Mais ils sont tous bloqués, les cons. Faut que tu ouvres ton wall, ouais, voilà. T'es belle, Domi. Oh là là! Vous me flattez. Voilà, toi. Voilà, toi, on va farmer. Ok. Bah, je les amène. Les maisons. Oh, plus de maisons. On se retrouve là, si tu veux. Faut des maisons. Bien vu, les gars. Sans maison, pas de maison. Eh, vas-y, tue le sac poubelle, là. Y'a un truc qui vole. Voilà, on le défonce. Oh là, on y va, là? Il sait qu'on arrive, hein. Il sait qu'on arrive. Ah, tu m'étonnes. Il va bien casser la bouche. La puissance de son intellect. Mais jouez, hein, quand même, hein, si vous venez en face. Si vous venez juste... Là. Oh, y'a des mutas. Ok, c'est pour toi. Vas-y, on va chez lui, on y va. Vas-y, avec les clic. Te laisse pas distraire. Attention, split. Oh. Ok, c'est bien. C'est très bien. Allez, à clic. Vas-y, on enchaîne, on va plus loin, okay. on va plus loin. Vas-y, on y va. Vas-y, on keep going. Attention, tu m'as laissé un peu tout seul là, je sais pas où tu vas avec tes marines, mon bro. Parce que ouais, j'ai. En effet, j'ai voulu faire le PGM, je suis de retour. Vas-y, on y va. C'est quoi toutes ces merdes là? Non, juste clic, te distrais pas. Pardon. Ouais. Bon, on va perdre notre armée là. Ouais, non, pardon. C'est ok. Allez, maintenant va falloir défendre, je sais pas si t'as des unités chez toi, mais va falloir là. Ouais, ça va, c'est en prod. En fait, le truc, c'est les envoyer de l'autre sens. C'est ma faute. J'ai refait le truc du thé, là. Ok, c'est pas grave, on est bien, on peut quand même gagner. Fais attention, parce que les mutalisques, donc les trucs qui volent, ils vont arriver chez toi, là. Il faut que tu sois en place. Voilà. Je suis en place. Une unité anti... Je fais un truc de def aérien. Ouais, tu peux faire une petite tourelle dans ta ligne de minerai. Ah, mais j'ai pas fait les trucs. Bah alors, faut que tu fasses un centre technique, ça s'appelle. Laboratoire technique? Ouais. Les farms, toi. Ils s'y perdent, là. T'as envie de prendre ta deuxième base? T'en as une cachée là, qui est bien. Ok. Je vais mettre un petit gars dessus. Attention, c'est chez toi, là. Oh là là. Oh là là. Oh, ça tape un. Ouais, là, il a un peu clean ta ligne de minerai, là. Faut que tu gardes tes marines chez toi, comme ça. Ah ouais, putain, c'est rien de les mettre devant, il y a le mur. Et en plus, j'allais pas remonter. On réattaquerait pas? C'est chaud là? On est dans la merde? Je pense que c'est compliqué pour l'instant. Ok. Tu me dis, hein. Et je veux qu'on la gagne. Pour l'instant, j'ai pas été fou, mais je vais me rattraper. T'es attaqué. Ouais, j'y vais, je vais défendre. Ah, j'ai plus farm. J'ai envie de tout leur mettre là. Moi, j'ai un problème là, Domi. Hein. C'est la merde? Là, ouais, c'est la merde là. Catastrophe, les mutas qui sont en train de tout faire. J'arrive. Je ramène tout le monde. T'es en train de me faire défoncer. Ma strat ne fonctionne pas. Aïe. Putain. Je passe. Je me fais niquer là, Domi. Non, t'inquiète. Si, je me fais full niquer là. Allez, je viens vers toi. Avec tes marines là. On le nique. On lui fait du sale. Mais le dernier là. Ah, putain, il te bosse, hein. Ah, il travaille sur mon.
Ah, sur ton cul, hein, je pense qu'on peut le dire. Hein. Ah non, sur ton cul, hein, je pense que là, c'est... Allez, il a tout donné, là. C'est pour moi, ma gueule. Vas-y, prends-lui tout, là. Ah, mais il va vite, là. Les dragons, ça a l'air trop chiant, ce truc, là. Il va jouer avec nous. Si on va chez lui. Vas-y, à travail. Attaque-le. Je défends tout seul. Vas-y, attaque-le. J'essaye de défendre. Ah, oh, c'est chaud. Je suis même plus formé de VCS, moi. Ah, t'as plus rien, toi, d'accord. Moi, je suis... Ah, toi, t'habites dans la Poilistan, là. Ouais. Ça explose, ça? Non, vas-y. Ah, c'est chaud. Elle est dure, cette fight. Bon, j'ai un peu trollé, je crois, mais... Oh, t'es en train de la win? Allez, on y va avec tout. On y va. Allez, on trade base, on appelle ça, là. On tue ça ou pas? On tue tout, mec. On tue tout. On lui prend tout. On est chez nous. On lui prend sa vie, vas-y. Derrière. Tous les WCS, là. Enfin, les... C'est pas ça. Vas-y, les mutas. Allez, vas-y, on fight les mutas. À clic juste. Touche plus à tes marines. Ok, faut que tu refasses des marines chez toi, là. Ah, ils y vont tous les uns par les uns, non! Je suis attaqué! Ouais, je pense qu'on va la paumer, celle-là, Domi, c'est terrible! Oh putain, non! Ah, je crois que là. Je refais une petite armée, c'est dur. Ouais, je crois que j'ai plus rien du tout là. Je suis pas méga bien non plus, je vais pas te mentir. Mr. Stark, I don't feel so good! Ouais, là, on s'est fait casser le cul là. Oh, c'est moi là. Ah non, mec, j'ai trollé aussi. J'ai pas été sérieux, j'ai voulu faire des trucs, on est tombé face à des PGM. Ils meurent tous. Non, mais moi je comprends. Maintenant, je vais toujours. Si je fais le wall, je défends les marines côté minerai. Et ensuite, le clic. Mauvais clic. Juste, je suis en mauvais clic, quoi. Pourtant, mon début de game était bien. Dites-moi, les viewers. Il était carré le début de game, mais là. Ah ouais, mais ça a l'air. Moi, je veux jouer avec ça, là. Hein. Ce truc-là, là. On est parti. Pardon, excuse-moi, je pars aussi. Mais je dis pas GG, pardon, GG. Vous êtes des joueurs GG. L'important, c'est de participer à Rennes, à Inland. Ah, là, on a bien participé là. Là, on a bien participé. Vas-y, je relance parce que là, on a plus la merde. Attends, mais. Ah ouais, vous faites entre 13 et 15 000. Moi, je produis 8 000 de ressources. Les unités, ça allait hein, quand même. J'ai donné de ma personne. Attends, deux secondes, vas-y, réinvite-moi. Ah, excuse-moi. T'inquiète, c'est bon. Ah, 68, c'est loin d'être satisfaisant, ça. Prends ta B2 plus vite. J'ai l'impression que ma B1 me bloque. Bah, le problème, c'est que la B1, c'est... Enfin, le truc, c'est que la B1, c'est facile à défendre. Alors que B2, je me fais attaquer de partout et je vais être bipper, quoi. Voilà, là, pour l'instant, t'as B1... Ah, mais là, il y a tous les viewers français, là, qui sont... Ah, mais ils ont les conseils, là, ils savent ce qu'il faut faire. Le Steam, il est où, là? C'est quoi, un Steam? Mulan. Tu oublies d'utiliser les mules. Mais les mules, c'est dès que tu... En fait, les bulles, ça va booster ton écho, mais comme pour l'instant, tu dépenses pas forcément toutes tes thunes, t'as pas forcément besoin. Ok. Ils sont quoi, là? Ils sont forts, eux? Probablement que oui. On va partir du postulat, oui. On va respecter l'adversaire. Ouais, on le respecte, hein. On veut une win, hein. Une win pour tout le monde, là. Allez, là, je porte l'équipe, là. Là, il y en a marre. Zorak, merci. Allez, on est terrain tous les deux. C'est où, ça? On tente les strats. Bien sûr, hop, deuxième. Laisse pas faire. From, bien sûr. Moi, je les bosse en GLHF de mon côté. T'inquiète, je vais les travailler. C'est les WCS. Ouais, moi j'avoue que ça, j'ai du mal. Hein. On dirait. Such a funny game. Oh, tu les bosses bien là. Non, je les travaille là. Oh, c'est admirable là, ce que t'es en train de faire. Là, je pense que c'est un Polonais, il a explosé en vol. Il sait pas ce que ça veut dire, tu vois. Là, le mec, il saigne du nez. Il se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Funny guys. En fait, j'ai juste rien à faire. C'est juste parfait de mon côté. Pas très opti, ça. Ah, putain. VCS, Domi, VCS. Pas assez de VCS, pas assez de VCS. On est mou sur les VCS, là. Ah, je me sens mou sur... C'est terrible, je me sens mou. Bah, c'est la fin de soirée, hein, c'est normal. Hein. Ah, je me fais... Il me tapasse. Ok, donc là, faut que t'ailles défendre. Tu peux. C'est trop chiant, ça, il m'a tué. Ça, c'est un petit standard, ça, hein, de début de partie de Terran. Tu te fais un peu embêter, c'est normal. Voilà. Ça, là, t'as bien géré le truc. Ah, mais du coup, je nique un VCS. Ok, c'est ok. Ok, tu me le dis.
Bien géré, ouais. Je me suis senti dé déçu par la gestion. Non, t'inquiète, mec, moi j'ai trouvé ça bien. C'est plus important. C'est ok. Tu te mules là. C'est un peu Comment? Ouais. compliqué au début, ce genre de truc, c'est normal. Un peu. Ah mon gars, je vais faire un coca build. Non. Si. On appelle ça comme ça. El coca build. Ouais, le coca build, putain. Allez là! Là j'ai l'énergie. Ah non, faut que je fasse ça. Ok, je vais faire une station orbitale après. Il y a un trou dans ton wall, du coup. Ah ouais? Ok, moi ils Ok, farment, moi ils font le taf. on partit assez vite sur des unités, hein. Côté Zerg en tout cas. Ok. Moi j'ai de quoi répondre, je vais passer en station orbitale et ensuite je vais faire les mules là, comme a dit... Les Protoss, il y aura des trucs qui volent côté Protoss. Donc il faut que tu fasses un centre technique et que tu mettes une petite tourelle dans ta ligne de minerai. Ok? Parfait. L'aura ça? J'enchaîne avec ça. Je les mets Regarde là, là déjà pour pas que les... je lui tue des petits récolteurs. VCS, VCS là! Je suis mou sur les VCS, bordel! Mule! Mule encore. Non, mule. C'est quoi ça? C'est quoi 50 de dynamite là? J'ai pas de dynamite moi. Je fais n'importe. Allez. Le truc qui vole, il va pas tarder à arriver. Faudra que tu sois en place là-dessus. C'est un peu mou là. Non, non, t'es très bon, mec. Deuxième raffinerie ou pas? T'as envie. Si tu penses que t'as besoin de gaz. En tout cas, mets ta tourelle. Mais faut que tu mettes ta tourelle dans ta ligne de minerai là, c'est important. Ça va arriver bientôt. Ça Regarde, arrive! il est là. Il est là. C'est bon. T'es dessus. Allez, allez, allez. Ah, le dernier marine. Allez, faut qu'il tape dessus. Let's go! Let's go! Construis-toi! Allez les gars! On a ouais! Un gant, quoi! Non, oh, top, ça, top! Qu'est-ce que je fais d'autre là? Une usine? Allez, petite usine, tu nous fais des tanks ou quoi? Je crois. Hein. Moi je suis Terran aussi, hein. T'es responsable tank et moi je fais les marines. Vas-y. On peut la faire comme ça. Bouclier, ça sert à quelque chose? Ouais, les boucliers ça rajoute 10 points de vie à tes marines. Ok. C'est cool. Pas mal. Faire un petit boubou ouais. Après là. Un beau technique là. Un beau technique. Est-ce que t'as beaucoup de marines là? Ouais, tu commences à en avoir. J'ai un petit pack hein. Tu peux commencer à traverser la carte si tu veux. Putain, ça a jamais bien marché ça encore. Si, mec. Dans la place. Là, je suis dans la place là. Ah, c'est pas le coca du pauvre là. Allez, oh, viens, on y va. C'est le scout du pauvre en tout cas, moi. On y va, ok. Ah oui, c'était un joli scan, ouais. Mais non, il y avait zéro trou dans ma putain. Ah, oh, les gars. Allez, on y va. Allez, on y va. On traverse la carte. Allez, on continue. Non, je fais n'importe quoi. Du coup, okay. On traverse. Je te suis, hein. Ouais. Putain, y'a un mec qui fait rien. Allez, on va chez Zerg. Vas-y, go. Allez, monte avec moi. On peut y aller. Oh, attention, il y a le Protoss derrière. On y a le Protoss derrière. On va le chercher. On le cherche. Regarde ça, cette petite mine là. C'est beau cette mine. Elle est sublime. Elle est juste sublime cette mine. Allez, on y va. On monte chez le Protoss. Je sais pas resélectionner. Tu me tapes là, je crois, non? Non, non, t'inquiète. Ok. Allez, c'est une bonne fight ça. Je produis Regarde, plus. J'ai plus de maison. J'y vais. Allez, on lui rentre dedans. Est-ce qu'on leur mettrait pas une petite mule? Ah bah là, si, mule. Mais tout. On Allez, va par où? On attaque le Zerg. On bourre le Zerg. C'est pour ça que je pouvais plus produire. Ah putain, j'ai refait cette truc de merde. C'est ici que je les veux. Ah parfait, ils se stack là du coup. Comme ils peuvent pas passer. Ça arrive derrière nous. Allez, on fight. Je donne tout. Je crois qu'ils vont mourir les miens. Je continue à prod en tout cas. Hein. Ça c'est ouais, quelque chose. Ça, comment on fait les usines? Ah non, je suis con. Comment on fait les tanks? Mais les tanks. Allez, là le Zerg on lui a fait du mal, hein, Domi.
Moi j'ai plus d'unit là, ouais. T'as plus d'unit? Si 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 si. T'as réussi à juste, produire? je sais pas où j'ai mis mon usine, c'est quoi une usine, putain de merde. Elle est là ton usine. Que là si t'as des units on y repart, hein. On repart à la sauce. Hein. Moi, ah c'est labo technique putain pour la putain d'usine. Mec je suis en full unit hein. Eh ben on y va alors, allez go. Moi j'ai des troupes là. Je renvoie, je renvoie, je renvoie. Regarde, j'ai des tanks, j'ai des medivacs, j'ai des marines, on y va. Vas-y. Notre compo elle s'est un petit peu égayée là. Bien oh, sûr. Ils ont voulu venir, ils se rendent compte qu'il a que dalle, il s'en va. Je sais pas sélectionner, tu sais, les marines une fois que genre j'ai du mal à les perdre quand je vais ailleurs. C'est F2. T'as pu plein de fois, t'as pu plein de fois sur F2. C'est tout bon ça. On va. Boum, explosé en vol ceux-là là. Putain, je suis le meilleur terrain de Paname. Vas-y, reste par là, reste près de mes tanks et moi je vais défendre, j'attaque chez le Zerg, ok? Tu restes autour de ça. Moi je vais bourrer le Zerg. Il fait des glaces. Des glaçons, ouais. T'inquiète, recule, recule, te fight pas pour l'instant. Moi je tue le Zerg. Oh, tu me heal toi? Ouais, ouais. C'est propre ton truc. Regarde, là pendant ce temps-là, je suis en train de démolir la B1 du Zerg. On lui fait du sale, on lui fait du sale. Mec, j'arrive avec du neuf. Allez, un petit peu de 109, vas-y, j'envoie le mien aussi. J'ai du tank aussi, j'ai du tank aussi, on le finit là-dessus. Hein. C'est qui ce joueur? On le finit là-dessus. Hein. F2, tout. On y va. On push. Allez, t'inquiète, pas besoin de monter par là, j'ai déjà tout défoncé. Ah, là-bas. Ok, merde. J'ai pas trop peur. Oh, ils sont si beaux! Le tank, je le bind en MH2. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Allez, siège ton tank, siège ton tank. Voilà! On les annihile, on les annihile! On les fume, on les fume! Le tank, il doit partir. Vas-y, viens un peu là, toi. Je vais là. Oh, le rage kit. Oh, ça rage kit. Et j'annihile là. Oh, allez, bien joué! Let's go! Oh là, c'est solide là, hein, ce qu'on propose. Bon, t'as... Ouais. Si. Eh, c'était bien ce que t'as fait là. Eh, c'est... J'ai bien aimé aussi là, toi. Hein. Très agressif. Ah ouais, là, j'ai... Il y avait des passements de jambes là. Non, j'ai essayé... Ouais, en fait, le truc, c'est que, tu sais, genre usine, à un moment, j'ai oublié le côté laboratoire technique pour faire le tank et tout, mais... Ah bah, mec, moi, j'ai vu tes marine shield et ton tank, à la fin, j'ai fait let's go. C'est bon, je lui ai tout appris. Oh, j'ai fait 1032 de moyenne dedans, ça, c'est nul. Ah, j'ai presque été aussi bon qu'eux. Ils sont quoi, gold? Ouais, ils sont gold. 8000 unités. Non, 8007, j'ai plus d'unités qu'eux. Bon, après, normal, ils ont dû ramasser avec toi aussi. Hein. Ça a dû jouer, mais. Je leur ai fait un peu de mal. Ouais. 68 d'APM. Oh, est-ce que c'est possible de nous montrer d'autres classes? Ah, mec, je suis en train de lancer une carrière là. Je suis. Oublie pas le Steam, c'est quoi le Steam? Juste ferme pas ton mur et mets le rallye sur ton armée. Comme ça, c'est plus facile. En fait, le seul, tu vois, le souci que j'ai, c'est quand j'envoie les gens, je sais pas. Tu sais, ensuite, quand je reviens à la base, continue à faire des trucs, tu vois, une fois qu'ils sont en train d'y aller, et en T-click. Ouais. Bah, je sais pas les resélectionner. Et j'avoue, du coup, je prends tout le monde, quoi. En fait, fais du F2. Genre, ok, vraiment, F2, tout le monde, et au après, pire. La solution que tu peux faire, c'est l'armée que tu veux utiliser pour traverser la carte. Tu fais un contrôle... Ah, je la bind. Ouais, tu fais un en match 4, ou 3, ouais, tu vois. Okay, ouais, voilà. Et après, t'appuies juste sur 4 plein de fois et tu vas retrouver dessus, tu vois. C'était quoi ton truc là de... dans les airs, toi? Ça avait l'air bien de heal et tout là. Ça, c'est les medivacs, on appelle ça. Donc, c'est des vaisseaux de transport. Ok. Et ça soigne les unités bio, biologiques. Ah, tu peux. Et t'as combien de marines que tu peux mettre dedans? Je peux en mettre 8. Ok. Voilà. Et ça, c'est bien petite... à faire, comment tu les as? En fait, donc du coup, tu vois, une fois que t'as fait ton usine, ça débloque un autre bâtiment qui est le spatioport. Et le spatioport, lui, pourra te faire, eh bien, les medivacs. Ok. Parce que donc, tank, le spatio... c'est laboratoire technique. Mais tank, c'est très très noob ou... Ah, non, tank, c'est très très fort. Hein, okay, c'est une unité nécessaire. Hein. Mais du coup, en fait, la bonne compo, c'est marine, tank, medivac. Ça, c'est une très bonne composition. Ok, d'accord. Donc là, il me manque les medivacs. Et redis-moi, c'est dans l'usine... En fait, l'usine, elle va te débloquer un panel de bâtiments, tu vois. Ouais. C'est à chaque. Donc, bah, dont fait... le laboratoire technique, entre guillemets, qui fait. En fait, le laboratoire technique, c'est juste une add-on. Ah c'est non, c'est un plus, ok, d'accord. C'est juste une extension. C'est un truc à faire avec les VCS, là? Le truc que tu me dis? Non. Alors, ça, c'est le centre technique. Le laboratoire technique, c'est une add-on sur les bâtiments. Ah non, non, je te parle des medivacs. Ah oui, le spatioport, c'est avec les medivacs, ouais. Ok, d'accord. Et c'est le truc spécial comme l'usine, le V, quoi, là. C'est ça. Donc, en fait, tu vois, t'as okay. la baraque. Elle te permet de faire les usines.
Et l'usine te permet de faire le spatioport, tu vois, c'est gradué comme ça. Ok, d'accord. Bon, allez, vas-y, je suis encore pour en faire une petite là. Putain, ça, c'est pas mal, hein, ça te. Une petite dernière ou quoi? Ouais, une petite dernière, je suis chaud. Allez, une petite dernière et puis. Comme après, ça, parce que ça. Non, mais honnêtement, je prends du plaisir, j'ai l'impression d'avoir progressé déjà. Ah, bah, genre, mec, bien sûr, bien sûr. Ah non, mais il se passe des trucs. Ah là, le BO là, mets un laboratoire technique sur une bac et après, mets plein de réacteurs sur toutes les autres, ce sera déjà un bon premier truc à faire vu comment tu joues et les émulations du centre technique. Ok, ça marche par une lord. Oh, je suis en double coaching. Ah bah ouais, hein. Mais ça c'est. Le but c'est de faire plein de marines et donc si t'as des réacteurs sur toutes tes baraques, ça te permettra de faire deux fois plus de marines, tu vois. Tout simplement. Putain. Oh là là, il y a un master en face. Oh, il y a un master. Vas-y, j'en fais mon affaire. Vas-y, chauffe-toi, chauffe-toi. Je tape mon clavier, je tape mon clavier. Let's go, let's go, let's go. Allez. Oh, non. Ok, je suis en zerg. C'est une grande map, c'est plutôt cool. Ah. Ah, il y a un XD là. A mon avis, il y a eu. Il y a eu sniping. Il nous pisse à la gueule là? Non, il y a eu snipe quoi. Peut-être qu'ils nous pisseront la gueule. Snipe ou pas snipe, moi je suis déjà en mur. Hein. Pourquoi je clique pas sur. Ah, j'avais pas tout à l'heure. Donc là, va falloir faire attention à ce que tu ouvres bien ton mur parce que sinon tu vas m'empêcher de moi de passer aussi. Ok. Et moi je veux aller prendre les bases là ici. Ok. Bientôt, il y a Marine King qui va débarquer et donner des conseils de hit and run. Marine King qui était une petite légende à son époque. Putain. Légende coréenne, tu vois, rien que ça. Oh là là. Oh, j'ai chargé. J'ai fait de la merde. Non, je sais pas. Pas grave. Pas grave. Je fais un truc ouais, il faut que t'appuies sur D, je crois, pour. Non, je sais pas c'est quoi le bouton, mais tu peux les débarquer. Faut absolument que t'appuies sur ça. T'as 5 SV qui font rien. Voilà, ok, c'est bon, sympa. Tourner au travail. C'est bon. Donne-lui le contrôle de l'unité pour qu'il ouvre le wall. Non, 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 tu vas le faire toi-même, ok? Pas de contrôle d'unité. Voilà. C'est les strats d'enfant, ça. Moi, Domi, je lui fais confiance. C'est ça que je veux voir, mec. Je crois que je vais aller sous le bureau débrancher ma souris rapido, je reviens. Ah, je crois qu'il y a du problème. Il fait vraiment. Ok, débranche sa souris. On a un master en face de nous, là. Mais enfin. Let's go! J'ai un bouton qui marche pas depuis tout à l'heure alors que j'en ai besoin, c'est un peu chiant. Et il marche toujours pas, c'est terrible. C'est dur. En vrai, c'est chiant. Eh, je suis en triple caserne en construction là. Ouais, mon bro. Ah non, c'est bon en fait, saved. Je suis en réacteur direct. Peut-être j'aurais dû faire un marine. C'est quoi, c'est Zerg, c'est agressif Zerg hein. Moi je suis Zerg, pas forcément agressif, y a plein de trucs possibles quoi. Là je vais en l'occurrence jouer assez macro et essayer de faire beaucoup d'unités assez vite après. Genre je vais monter très vite sur un gros compte de récolteur et ensuite, boum, plein d'unités. Du coup, c'est toi ça? Ouais. Faut que j'ouvre? Ah, j'ai des trous. Ouais, t'inquiète, c'est ok. Ok, oh, c'est nul si j'ai des trous. Ah oui, station orbitale. Ok, station orbitale faite. Let's go. Let's go, let's go. Allez, pas de panique. Tu gères, envoie-moi un petit steampack là sur ton laboratoire. Steampack fait. Let's go. Usine, il me faut de la raffinerie là. Il faut tous qu'ils aient un réacteur. Ouais, si tu peux réussir à faire ça, c'est très cool. Ok. Il fait ça. Je suis bien là. B2? B2, on me dit B2. Allez, si t'as envie. Là, je t'avoue que j'ai un peu pris ta base, hein, donc tu vas être un peu exposé. Ok, je vais peut-être le faire classique. Je vais peut-être du coup faire des mules. Tout à l'heure, on m'a dit que les mules, c'était pas mal. Comme ça, on m'a dit que tu pouvais plus tenir sans mules. Non, non, non! Faites vos trucs! Ça va, c'est la merde ou... Non, non, t'inquiète. Une caserne qui branle rien là. Ah, parce qu'elle est normale, elle est en réacteur.
Maison, 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 maison! Venez faire des maisons, les cons, là. J'ai pris du record là. J'ai fait 9 maisons. Ah, t'es là toi? Je sers à rien là, je suis useless pour toi. T'inquiète, c'est complètement ok. Tu veux de l'aide? J'ai quelques marines hein. Ah bah amène-les ouais mon petit bro. Mais là t'inquiète, c'est juste il fait semblant de nous embêter. C'est pas je te les mets où? Ça sera très bien là où ils sont ouais. Parfait. Ok. Je vais faire un laboratoire technique. Parfait. Allez les gars là, bossez un peu. Putain, ils branlent rien. Allez, tes marines qui font un gros taf là, merci. Ils sont où? Ils sont revenus, putain, ils ont fait. Bravo! Bravo! J'en ai fou, je te les re-ramène! Ils sont très très bien là, mec. J'en ai d'autres, hein! Ah bah, hésite pas alors. Oh là là là, mec. Je te les relaisse là. Hein. Un laboratoire, il m'a dit de faire un truc. Mur, je sais pas. Quoi faire? Ah, oh, du tank. Allez, là! Ok, bon, là, on va avoir un problème parce que ça fait des trucs qui sont forts contre les marines là. Donc en fait, regarde, t'as une Rax là, fais un autre laboratoire technique et faut que tu fasses des maraudeurs et des tanks, mec. Je fais des tanks. Ok, ça arrive. Ok, recule, parce que ça crame le cul des marines, ça. Ok. Parce que j'ai fait... Je ramène d'autres. J'ai un tank aussi hein, qui va pouvoir venir en backup. Ouais, ton tank il va vraiment save. Vas-y, siège ton tank, siège-le. Putain, je fais deux au lieu de... Ok, ça arrive sur le côté, Ah, il kite, hein. Ouais, ça c'est une compo un peu chiante là. Vas-y, siège tes deux tanks, mec, siège-les. Attention. Oh là là. Oh, allez, c'est bien, ça défend bien là pour l'instant. Je leur ai mis un boost. Non, c'est. Champ de minerai épuisé. Ça. Je sais. Faut que je fasse le truc de médic là. C'est spatioport? Ouais, c'est spatioport, c'est ça, ouais. Je suis bien? Le tank. Oh merde, putain. Plus de temps. Il est où le tank? Il est mort, hein. Que le tank est mort. Ok, ça va venir là, mon bro. Je produis plus. T'inquiète, c'est ok. Pas assez de minerais, je suis en fait. Ça commence à être chaud au niveau minerais. Hein. Ouais, je pense que là, on va avoir un problème d'expand assez vite là. On attaque? Ça va venir. C'est eux qui nous attaquent, c'est pas nous qui attaquons. Attention, recule, parce que là tu vas te faire cramer le cul. Le F2 là, le F2 c'est mort. Je vais essayer de les surprendre avec un truc en fait. Je vais essayer de passer sous eux. Oh putain, faut que je te passe. Il nous faut des medikits. On va tenter le coup. Ok mec. Pour l'instant on n'est pas mort et ça c'est plutôt bien. C'est quoi le truc que tu me dis là? Medivac ouais.
Exactement. Je t'envoie un Medivac là, Soon. En plus, c'était Medivac, comme moi aussi j'ai des unités biologiques, ça va me soigner aussi. Ok. Maison, maison, B2, maraudeur. Ah mais B2, je sais même pas où aller. Là, tu peux en prendre une là. C'est hyper loin, non? Ouais, c'est un peu loin, mais on n'a pas trop le choix. Ok, sinon la game est loose, quoi. Là, moi, je prends une base devant qui va être aussi bien agressée. Ok, ça vient. Ah. Qu'est-ce qu'il fait? Tout met. Ça arrive, ça arrive! Il est où le medikit là? Enfin le truc? Je t'en fais 3. Putain, c'est stressant, hein. Ouais. Là, la game, elle est chaude. Elle est compliquée. Mais ils vont venir avec des monstres, non? À mon avis, on va avoir un problème au bout d'un moment, mais... Est-ce que je ramène quelques... Oh putain, il y a tous mes... Oh, il est tout le monde, lui. J'essaye de faire des unités fortes, mais je sais pas si ça suffira, mon bro. Vas-y, donne le max, ma gueule. C'est bientôt fini, moi, la minerai là. Alors, il faut que tu bouges. Il faut que tu essayes de prendre une autre base. Ah, ouais, tout prend, on peut pas all-in avant. Je pense que là, ils ont plus que nous en fait. J'ai full gaz, tu veux du gaz? Ouais, si tu m'envoies ton gaz, tu me mets très bien. C'est un panel en haut à droite. Tiens, prends tout. Oh mec, tu m'as mis bien là. Ouais, prends encore, bordel. Mais prends tout. Mais carrément. Ils sont où mes gars là? Alors, pose le tank là, pose le tank. Là, le petit pote, il fait ça. Lui, il va aller expand. C'est quoi ça? C'est du minerai, ça? C'est quoi cette merde? Il faut aller là, comment il fait? Ah, mais là, je pense qu'on peut même pas se sortir. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il fait de la merde, lui. Une petite tourelle anti-missile, on sait jamais. Ça a l'air d'être de la merde. Base alliée. Ok. C'est good là, c'est good ce qui se passe. Je pense qu'on peut commencer à penser à traverser la carte là, ils ont pas la compo. On push? Ouais, allez, vas-y, on go. C'est fini pour le minerai. C'est eux ou nous. Je fais le taf, hein. Ouais, j'y vais. Il sert à R. Eh oh là! Allez, vas-y, on y va. Je suis là, mon pote, je suis là. Allez, on les bourre. Allez, on y va. Chez eux, directement. Là, on peut gagner la game maintenant, Dobby. C'est où chez eux? Par là. On a bien tempo. On était derrière. On monte là? Ah, on y va. On bourre là. Là, faut que tu restes avec en dessous de mon armée, en fait. Ok. Derrière, derrière les gros trucs qui l'armée des 100 dragons, hein? Ouais. Les trucs qui volent là, ils vont faire le taf. Que je fais. Putain. Non, c'est dur de se repérer sur la map. Allez, tu restes en dessous, moi je poke. Oh, y'a beaucoup! Ok, va falloir que tu gères. Attends, n'y va pas. Faut que tu tapes les trucs qui volent là. Faut absolument que tu tapes les trucs qui volent. Ouais, c'est quoi la merde qui vole là? Vas-y, je me mets au-dessus de toi. Ok, y'avait beaucoup. En fait, on va peut-être pas la gagner tout de suite. Il faut que tu tues les vaisseaux là. Clique un vaisseau et après touche plus.
les stimule. J'ai tout perdu. Ouais, je crois que t'as plus rien. Je vais essayer de trade le mieux que je peux. C'est Star Wars ici, putain. Ouais, là, là, il avait les gros vaisseaux, là. Oh, mais il a TP. Ah ouais, il a TP direct chez WAM. C'est compliqué, c'est compliqué. Je sais pas quoi faire. La panique, hein. Là, c'est la panique. Tu veux de... Je t'envoie des ressources. Je t'envoie full ressources, je t'envoie full gaz, full gaz, full gaz. Je suis en full gaz, vas-y, Coca. Je t'envoie un peu de minerai. Je t'envoie tout. Je t'ai tout envoyé. T'as des marines ou pas? T'as plus rien? Non. Ok, bah je pense qu'on a paumé alors. J'ai des SVC. Je sais toujours pas comment ça s'appelle, 10ème game. Mais ils viennent. Ils viennent pour soutenir. Ouais, les medivacs ils peuvent pas me heal. Allez, les SCV, tout le monde on y va avec tout. Oh, ils mettent tout, ils mettent tout. Ah, oh, je reviens ouais, aider. C'est la débandade. On l'a perdu, Domi. Ah, c'est à moi ça. On a perdu Domi. Oh là là. Je vais chez eux, mec. Je vais chez eux. Allez, avec un Medivac à 3 HP, s'il y a un marine qui te touche, t'es mort. Ouais, faut que tu fasses gaffe. Hein. Il me voit pas, il me voit pas. Non, mais là, il y a beaucoup trop de Battle Cruiser en fait. Il y en a un seul qui a tout ça. Vas-y, je regarde la mission de ton... Allez, je débarque. Y a un marine qui touche, t'es mort. Allez, faut que t'appuies sur D, D ou je sais pas quoi. Ouais, c'est en cours, c'est en cours. Non, c'est pas en cours. C'est pas en cours. La catastrophe. Oh merde, putain. Faut que t'appuies, mec. Mais voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, mais en fait, je faisais un autre truc. Ah, y'a des gros vaisseaux, là. Ah, ouais. Ah, non, c'est chaud. Il me reste un petit gars. Oh. Ah, on a paumé, je crois. Fuis-toi. Le dernier de population. Tu peux refaire une base, tu peux refaire une base. Tu peux refaire ta vie. Ah, GG. En vrai, il y a eu un moment, j'y croyais, puis bon, bah. Ah, non, mais c'est, tu sais, genre, je gère pas du tout ça, tu vois. Genre, j'avoue qu'ils ont l'air de savoir jouer, parce que j'ai essayé, tu sais, un moment, j'ai placé les tanks et tout, j'ai essayé de reproduire, mais il y a des moments où j'avance, et du coup. Mec, le gars qui avait les Battle Cruiser, il a mon niveau, grosso modo, tu vois. Donc, putain. Ah, mais c'était excitant, quand même. Hein. Ah, j'ai essayé de t'envoyer du gaz, tout ce que je pouvais. Eh, mec, la fight où on les crush et tout, il se passe un truc. Eh, c'était pas mal, hein, quand même. Ouais, j'ai kiffé, moi. Je me suis dit. J'étais genre, let's go, on était patients, on y va. Ouais, de ouf, de ouf. Il y avait beaucoup de joueurs. J'étais chaud. Putain. Alors, montre un peu là les différences de. Ah, ouais, l'autre, pas ouf, hein, Shiryona. Là. Ah, ouais, toi, en gros, t'es au même niveau que lui et. Shiryxiona, mais Shiryxiona, il est quoi, lui? Bah, il a été diamant, le mec, hein. Je produis autant que lui. Ah, non, j'ai tout quitté. Ah, je voulais voir, j'aime bien les stats, moi. Tu peux y aller en fait si tu cliques sur ton portrait en haut à droite et ensuite t'as un truc qui s'appellera historique des matchs et tu recliques sur la dernière game. Ah ouais, bien vu, merci. Shiryxiona, platine putain d'équipe, c'est faussé. Non mais il a joué quoi, je veux dire, je suis à ma quatrième game. Quand tu fais F2 pour switch entre les types d'unités, tu fais tab. Ah, non mais j'ai carrément, tu sais, j'avais fait le truc de tank. Hein. Comme tu m'as dit, le moment où il fallait taper les Battle Cruiser, je switchais sur 3 pour faire X, pour poser les tanks, pour essayer de les taper et tout, j'ai essayé quoi, mais... Non mais mec, j'ai vu qu'il se passait des trucs, mais en fait, là, juste on pouvait pas la gagner. Ah, le gars avait 272 d'APM en face, le mec. On pouvait pas la gagner cette fight à la fin, donc de toute façon, comme ça. Hein. Ah non, mais c'était... Non, c'était quand même une très belle game pour finir, je trouvais, tu vois. Eh ouais, mec. Genre... Moi, j'ai kiffé. J'ai vécu un grand moment de StarCraft, là. De ouf, là, même. En vrai, j'ai trop kiffé cette soirée. Merci beaucoup, Coca, parce que... C'est la refaire, on la refera. Hein. Bah, avec plusieurs de temps en temps, tu vois. J'en ferai peut-être de. Ah, je sais pas, peut-être. Bah, je sais pas, j'imagine que Xary a déjà joué, parce que il faisait partie du Eclipsia avec Sarenz et tout. Mais, mais en vrai, je savais pas si j'allais aimer. On m'a beaucoup dit, même en mode oh, ça va te faire trop chier, tu vas être saoulé et tout. Et au final, bah, j'ai zéro été saoulé. Après, genre, le fait d'être coaché change tout, je pense, tu vois. Et vraiment, ça m'a permis de découvrir le jeu et de bien apprécier justement ce qu'il fallait faire et tout. Mais. Mais ouais, merci, merci beaucoup, quoi. Bah, pas de soucis, mec. Moi, ça m'a fait plaisir aussi. Et puis, ouais, mec, t'as été bon. Il y a un petit passif jeu vidéo, à mon avis. T'as un petit peu joué dans ta vie, quand même.
Ouais, mais non, mais tu comprends vite. Je pensais que j'allais être plus naze, tu vois, pour être honnête. Mais bon, n'hésitez pas sur Twitter, pas sur Twitter, mais sur le chat Twitch. Il va y avoir le Twitter de Coca si jamais vous voulez le suivre. Bien sûr, en ce moment, il se passe quoi sur StarCraft en vrai? Écoute, en ce moment, c'est Pépouze. On a une petite saison WCS qui est en cours avec un Français qui fait pas un mauvais run. Un Protoss français qui gère bien. Ça s'appelle comment? Petit Drogo. Ah ouais, si, oui, je connais. Ouais, ouais. Donc, Petit Drogo qui fait un bon run en ce moment. Donc, peut-être qu'on pourrait être surpris. Ça se passera ce week-end. Voilà, donc, ok, d'accord. Si les gens veulent aller voir, et bien voilà. Et puis, sinon rien de spécial en ce moment. C'est assez calme. Eh ben, écoute, ouais, tranquille. Et si tu peux, organise un match 1v1 contre Sardosh sur StarCraft. En vrai, on caste ça sur SC2, tu vois. Direct. Ah ouais, c'est marrant. Ah, mec, nous, on fait un show match BO5 comme As, on le caste. Mais là, mais lui, c'est impossible. Il y a un temps de jeu, il va me fumer, tu vois. Genre, Sardosh, je crois qu'il a passé 17 heures sur les binds. Moi, j'ai joué 2h30, j'ai bien kiffé, mais je suis moins dans l'apprentissage, quoi. Ah, mais il a passé moins de temps que toi in-game. En vrai, je pense que votre niveau, de ce que j'ai vu de son stream et tout, ce que vous faites tous les deux, c'est à peu près similaire, tu vois. Genre, vraiment. Oh là là. Donc là, un petit match en fin de semaine, ça pourrait être épique, hein, en vrai. Un petit BO, j'avoue que ça peut être drôle. Ça peut être drôle sur un petit StarCraft, ça peut être très drôle. Ça peut, en plus, ça permet de train et tout. Ouais. Wall into. Ah, mais j'ai le BO en tête, hein. Faut que je me le note. Faut que je le note, je regarde un replay, au pire. Mais replay, hein. Si tu veux regarder, tu vas dans les parties enregistrées et tu peux regarder ça. Oh, et notamment, tu auras la partie que moi je t'ai montré. Tu peux non, mais au pire, je regarderai mon replay de stream, comme ça, j'aurai ce que tu me dis, toi. Comme aussi, ça. Voilà. Et ça, c'est vraiment le boss. C'est sur Domingo Replay, bien évidemment, sur YouTube, il y a tout. Il y a tous les streams que je fais. Voilà.